Tiens, regarde si je reviens, les poches vides. Hop, on va sortir sa roue. Check moi ça. Il faut juste que je mette les voiles au Knarfang. Sort de ruiner le bateau. Non, pitié. C'est quoi ça? C'est le bateau astral, c'est ça, non? Ouais. Combien? Trop. Question. Votre question. Par contre, j'ai l'air d'être vachement constipé sur mon siège. Hop, on charge sa roue. Attendez, je crois qu'il faut lancer la fable. Ouais, attends. Ouais, mais pour, si on veut pas que le Saru meure, il faut emporter du. Faut emporter un peu de rimmel noir pour le nourrir. Un petit peu. Attendez, où est-ce qu'on est, nous? Non, mais. On a respawn au même avant-point que tout à l'heure? Quel enfer! Oh, mais vraiment, comment il éclate ce bateau? Enfin, j'espère que ça t'a coûté au moins 50 euros. Hein. Non, moins. Mais par contre. Tiens, regarde quand tu tires avec le canon. Et ça, c'est banger. J'utilise Saru pour la démonstration. Ah, okay, carrément dans le ciel et tout, ça dessine des trucs. J'adore. Oh, c'est stylé. Oh là là. J'ai jamais navigué avec, donc je suis heureux. C'est stylé. Bon, on va naviguer avec ça. Hein. Je pense que YouTube est d'accord. YouTube, t'es d'accord? De toute façon, on ne demande pas ton avis. Merci, YouTube. Bonne journée, YouTube. Bah, des bisous. Il y a pas le drapeau, hein? Ah si, il y a le drapeau. Si, il y a le drapeau. Oh là là, et tout est rangé. Non mais vraiment. Où est cet homme que je lui fasse l'amour tout de suite? Bah dis donc, tout va si vite. Bah oui, mais bon, t'as vu à quel point ce navire est rangé et ce quai dépouillé. Franchement, il reste un boulet de canon. C'est tout. Ah, je trouvais des boulets magiques. Par contre, ça fait plaisir. Du boulot aussi. Nel, si tu crois que je te vois pas en train d'essayer de te barrer avec mon bateau. C'est pas moi. C'est menteuse. Pas moi. Menteuse en plus. Mais oh, vraiment. À l'année prochaine. Ah, tu feras gaffe, il y a deux requins sur le ponton. Oui, il y a deux requins sur le ponton. Sur le ponton, il y a deux requins. Ouais, il y a deux. Regarde derrière toi. Ouais. Oui, regarde derrière toi, il y a deux requins qui vont me foncer dessus. Bah non. Ah si, ils sont là, coucou. Oh, ça va, il le vit bien. Ah, quoi que non! Oh, j'aurais dû me laisser tuer. J'aurais pu ramener une petite lumière bleue pour aller avec le navire. Vous auriez pu y penser. Ah, quel dommage! Bah, attends, on a un navire qui est tout bleu et on a pas ça. Nel? Il y a plein d'appâts dans le bateau. Let's go! Il y a plein d'appâts surtout dans la caisse de stockage là. Ouais, il y a une caisse de stockage en haut qui est pas vide. Là, à côté du mât. J'arrive! Ah non, y'a pas d'appât dedans. Vous voulez peut-être que quelqu'un je fasse des caisses. On m'a menti. Y'a pas d'appât? Non. Ils ont été bougés, je crois. Bah, ils ont sûrement été rangés. Ah, gauche-droite? Bah, comme tu veux, t'as le temps. Ouais, gauche. Quoi qu'il en soit, faut aller tout droit donc. Putain, il est tellement stylé là, le bateau! Après avoir passé le caillou, faudra que tu remontes un peu plus vers l'ouest. Ok. Par contre, attends, je vais me permettre d'éteindre les gyrophares. Les gyrophares. Ouais, non mais. Je veux dire, tu veux éteindre quoi? Regarde la voile. C'est ça le. Ouais, j'avoue. C'est pas très réaliste. On voit des kilomètres là. Le mec est en train de traverser, c'est bon, j'ai éteint toutes les lanternes. lève les yeux en fait. T'es lent. Lève même pas les yeux, regarde juste autour de toi. Enfin, je sais pas quoi. C'est vrai, j'avais oublié ce petit détail. C'est bizarre, j'ai même éteint le soleil dans le jeu, j'ai l'impression qu'il reste encore de l'éclairage. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Incroyable. Tac. Je suis en train de me poser une vraie question. Je pense que Pardy, tu peux m'apporter cette réponse. J'hésite à me faire un café. Si je puis. La question se pose même pas. Là, je fais un litre de café, là, c'est ça, let's go. Ah, le litron carrément. Ah, d'accord. Je Moi, c'est tasse toujours de café. Litron à la maison. Non, attendez, je sais pas faire une petite tasse. Une tassinette diluée, là. Tu m'as pris pour un ricain ou quoi? Non, moi, j'ai pas le temps. Petit café soluble là. Attends, c'est comme regarde hier on a joué à Sea of Thieves, fallait rouler en même temps qu'on était on était obligé de jouer à tour de rôle parce qu'on roulait nos clubs déjà. Alors attends, c'est pas pour aller faire un les clafés. Avec les. Eh mais je Pardy, j'y crois pas, il a spawn sur le même serveur que nous. Ça me détruit. Sérieux?
Regarde devant. Oui, devant c'est le même. Ah non, c'est un bateau fantôme. Ah bah c'est bon, tout va bien. Par contre, faut me guider les gars, parce que je vous avoue, je vois R. T'inquiète, tout droit ça passe, crème, y'a pas d'île. T'inquiète, je peux pas te guider, je suis en train de pêcher. Va à gauche, va un peu à gauche. Vas-y, c'est bon, tout droit maintenant. On dit bâbord, monsieur. C'est bon, vous pourrez vous resservir de la caisse, je l'ai vidé. C'est bon. Ok, moi je vais me porter pâle, je crois que je ne vais pas aller jouer avec les autres. Oui, porte-toi pâle. Tout tube et tout courant. Tu vas quoi? Ouais, mais t'inquiète, mais tu vas pas aller jouer avec tes potes là? Non, je suis pas là, non. Tu devais pas faire un Iron of Maiden 4? À peu près, mais attends, du coup, je vais me mettre. Attends, tu vas refuser d'aller jouer à Heart of Iron pour Sea of Thieves? Non, c'est pas Heart of Iron, c'est Europa Universalis. C'est le jeu où je n'ai pas de chance. Ah, il y a un bateau fantôme. Heureusement que je le dis parce que Nel ne l'aurait pas dit. Hein. Mais tu te fous de moi? Je vais te tabasser. Je t'aide si tu veux. Je vais te mettre des vers de terre dans le nez. Il y a un caillou devant par contre. Gauche, droite. Droite. Bah, il y avait de la noire. Je vois juste sortir de la noire. Il y avait de la noire. Je peux redresser. On est large. On est large. Ah, mais c'est que je sais que le galion il est long à tourner. Ouais, quoi que là il est sous le vent, il tourne. Hein. Là c'est bon, tu peux redresser, redresse. Là il faut que t'ailles tout droit. Voilà. Je vais te réajuster de la voilure tout de suite. Parce que je suis le seul à penser que sous le vent on irait quand même un peu plus vite. Je pouvais pas, j'étais en train de rouler ma clope. Et de pêcher. Non. Kraken ? Non, mais je vais tout casser. Narfang, tu casses les couilles. Non, c'est pas moi, c'est Parzi qui nous a rejoint. C'est vous qui étiez d'accord pour que Parzi nous rejoigne. Tout se passait très bien avant. D'accord. Bonne journée, je reste à la cale. Il y en a qui nous met bien sous le vent. Hein. Je veux pas en entendre parler. Hein. Il faut qu'on avance. Bon, par contre, ça fait des chures stylées, mais. On est sous le vent. Hein. Arrête de gigoter, toi. Wow. Les gars dans la ligne de flottaison. Qui s'occupe d'en bas là? J'ai déjà en bas. Gigote dans tous les sens ces bestioles. Arrête de gigoter. Oh. Avec les sprites bleus hein, c'est joli mais c'est pas très pratique. mais c'est joli hein. Je sais que c'est joli. Moins une. Y'a un Kraken qui est mort. Je plonge, j'allais chercher de la viande. Moi j'ajuste les voiles, je nous casse de là. Hein. Non, reste, on peut taper, on a des ressources. Non, que dalle. Mais si, on peut. Mais tranquille. Mais j'ai perdu un steakos de Kraken. Arrêtez de paniquer. C'est pas question de paniquer. C'est. Wouh! Il faut absolument que tu repartes dans la même direction, c'est un impératif. Bah ouais, je sais, j'aimerais bien. Oh putain, ça monte vite en bas. Lui, il va essayer de t'en empêcher, hein. Oh. Il va essayer de te faire tourner en rond dans le truc. Hein. Je suis sous la flotte en bas, hein. Je suis sous la flotte. J'arrive. Bah, moi je me redirige à l'ouest, hein. Bien joué, mon canard. Ah, si vous voulez, il y a un. Ah, je me fais aspirer! J'arrive. Va falloir remettre la barre droite là. Ok, en bas c'est bon. Parce que si vous continuez à tourner, je vais finir par vous rattraper avec ma caisse. Bon, je vais abandonner ma caisse de thé. J'arrive. Au revoir, Parzi! Et où Pardi? Ah t'es dans la gueule de celui-là, attends bouge pas. Je peux peut-être t'aider. Je mets une cartouche. Je lui remets une cartouche. Y'en a un qui va aspirer à droite. C'est bon, il t'a lâché? Tu es mort. Ouais, je suis mort. Ah il était mort. Tape, faut que t'aies quelqu'un qui monte sur le pont s'il te plaît. Merci. Moins deux. Visiblement, on l'a pété, hein. Non? Ah non. Il reste encore une ou deux tentacules à tuer et on est sorti. C'est où les munitions déjà? Et on a gagné. Par là. Une ou deux tentacules à tuer et on a gagné. Bah, ça va que j'étais en train. Heureusement que j'avais fini de rouler ma clope, moi. On est sorti de la zone déjà. Mais. Pour commencer. Ok, oula, c'est vraiment moi qui rame. Désolé ton tube, hein. Je rame, mais je télécharge des fichiers extrêmement importants.
Ah, faut lui faire du Kemtar. On est sorti du Kraken. On aurait pu le tuer, hein. Qui c'est qui a tapé le chat? On y retourne? Non, moi j'y retourne. Non, non, non. Je vois une viande de Kraken qui brille au loin. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Les mouettes ont l'air de me dire que oui. Je crois que j'ai vu un caillou devant. J'aurais mes deux stécos de Kraken, je veux pas le savoir. Plutôt attends, mourir que de mourir. Moi je répare les trucs au-dessus de la ligne de flottaison. Oh, c'est un baril de grog en plus. Eu, est-ce que je me fais une aventure comme autrefois? Non, je vais pas faire ça. C'est pas quand t'étais parti tout seul avec une barque à la fin et t'es revenu la nage comme un connard pendant mais nombre de fois que je l'ai fait. Rappelle-toi une fois, j'ai fait allez, je vais casser Thief's Haven. C'est pas grave, je viens à la nage. Je suis venu à la nage jusqu'à Thief's Haven. Tu sais, c'était l'époque où les requins ils étaient pas complètement craqués et où tu pouvais les gérer un à un. Ah non, le kraken m'absorbe pas avant que j'ai attrapé la viande. Regarde, si tu regardes derrière, tu vois encore les tentacules du Kraken là-bas. Mmh. Oh ouais, non, mais c'est. Ouais, bah oui, il essaye de m'aspirer et tout. Vas-y, on croit en toi. Ah ouais, moi je me balade juste pour récupérer des viandes de Kraken, hein, c'est tout. Le reste. Un autre truc que je trouve dommage dans le galion. Tu veux que je le filme sur Spider, comme à l'ancienne? Non, tu l'auras pas de là, les balles vont disparaître avant. Alors par contre, sans déconner, hier j'ai buté la reine sirène au sniper, j'ai tué le mégalodon au sniper, j'ai tout eu à la dernière balle. Il y a une île devant. Ah bah gauche, droite. Gauche. Gauche, gauche. Le problème de ce jeu, c'est que, c'est, je sais pas si vous avez vu, mais la balle elle tombe au bout d'un moment. Ouais. À partir du moment où elle tombe, elle s'arrête au moins 50 mètres derrière. Ah c'est là qu'on va. Ouais, mais il y a un ponton, c'est pour ça. Encore un petit peu à gauche. Ouais, je remonte la voile avant. Parfois que t'es en train de manquer la quête, hein. Je suis en train de tabasser. Voilà, ça y est, je suis mort. Déclenchez pas tout, j'arrive. Attends, je vais te dire. T'es prête à lâcher l'ancre au dernier moment? Je suis bientôt là. Hein. Je suis dans le navire des morts, je suis bientôt là. Hein. Okay. Et au moins, je ramène la lumière bleue. Bien joué. Vas-y, tu peux la lâcher. Ah super. Super. Le bateau est une Xbox vachement carrée. À mort. Ah, mais la première édition de la Xbox? Genre ça la brique murale. Non, la hitbox du bateau est une hitbox vachement carrée. Parce que regarde, ça a cassé à l'avant, alors qu'on n'est pas tant collé au ponton que ça quand on passait à la base. Petit 1, je tiens à préciser que j'ai quand même ramené 3 morceaux de Kraken. Voilà. Petit 2, pensez à vider vos poches avant de partir sur l'île. Ah, bien vu ça. De toute façon, il y a une caisse de stockage. Oui, aussi. Oh, est-ce que vous pensez que ça passe là? Est-ce que vous pensez que je passe là? Ou je suis trop gros? Non, ça passe pas. Ah, renommée de voyage augmentée, île visitée. Attends, mais c'est là on doit aller? Pas une lanterne là-dedans normalement allumée. Non, c'est pas là qu'on doit aller. Je pensais. Avec la fumée. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, si, y a un mec là qu'on peut venir parler là. Ouais, mais c'est pas ici. C'est pas ici, c'est plus loin normalement. Ah, mais y'a un petit journal ici. C'est quoi, c'est le mec en fait, au milieu de sa salle, tout rond Ouais, c'est ça, c'est lui pour les coffres. Ouais, c'est le serviteur de flamme. Ah, du coup, j'ai acheté 2-3 trucs parce que j'avais rien. Je pensais qu'on était plus loin en fait. Je crois que j'ai pas tous ces livres. Y'a pas une chaloupe. Sur l'île, si normalement y'a une chaloupe. Ah, c'est bien ce qui me semble. Hein. Ouais. Ah, Y'a des dessins précieux, y'a des tags et des graffitis. Quoi, sous le ponton? Normalement, il y en a une sur cette île. Sur le ponton, t'as un livre. Lis le. Oui, j'ai lu les livres avec le bonhomme très heureux. Ouais, avec le nain dessus. Tu sais, tout ce qui a une grande barbe n'est pas forcément un nain. Hein. Genre, t'en as, c'est des hipsters. Si. C'est la règle. Enfin, un hipster, c'est un nain. Ouais, un peu précieux le nain. Enfin, oui, mais. Mais il lui manque. Examinez le dessin. Dans ses vêtements, il lui manque un truc. Comment dire? De l'acier.
75 kilos d'acier, il lui manque à peu près pour être un vrai nain. Une forge. Aussi. Y a des trucs sympas hein, dans les boîtes à récupérer. Hein. Oh, les canons de ligne sont cool. Mais t'es sûr qu'on est sur... Non, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne. Ah ouais, ça c'est l'île des autres tarés, là. Et... Ceux qui s'amusent à tuer les autres joueurs, ça. Ouais. La prochaine chose. Bah, si vous avez des chaussettes à leur vendre, ils achètent tout. Hein. Ils achètent tout et n'importe quoi. D'ailleurs, vous pouvez acheter aussi un costume. Oui, je l'ai déjà. Ouais, je l'ai aussi. Mais bon... Bah du coup, on doit aller où? Encore plus loin, en fait. Je pensais qu'on était arrivé à la bonne île, mais non. Elle est genre un peu plus loin. C'est quoi le nom de l'île? Golden Sand. C'est l'avant-poste. Parce que... Ah oui, bah du coup, je suis obligé de refaire le speech, là. Où je réexplique tout ce qui se passe dans le scénario de la prochaine saison. Ouais, vas-y, let's go. Bah... Ouais, j'étais pas là, donc ouais. Du coup... En résumé, la saison 5, c'est celle qui a incorporé les nouvelles quêtes. Celle de Pirates des Caraïbes. Sachant que ça a bien marché, c'est que ça a bien été reçu par la communauté, les devs ont fait, ok, let's go, on va faire un monde dynamique, et en gros, t'auras, toutes les deux semaines, tu auras une nouvelle aventure exclusive qui influencera la carte. Et là, la première quête exclusive détruit un avant-poste. Ce qui veut dire que, en fonction des résultats des quêtes, genre si tu la rates, si 51% de tous les joueurs qui font la quête ratent la quête, d'une autre île en question, genre par exemple celle-ci, et bah cette île-là aussi sera détruite. Ah ouais. Maintenant, si tu perds une île définitivement. Et tu la récupères jamais. Non, tu peux pas la récupérer pour l'instant. Attends, où est-ce qu'on est? Là, il faudrait partir pleine... Là, il faudrait remonter nord-est, nord-ouest. Alors, je tiens à préciser aux touristes du navire que au niveau des tonneaux, il y a une certaine forme de rangement qui a été instaurée. Je vous prie bien vouloir la respecter, s'il vous plaît. Enfin, de respecter le petit personnel de bord qui œuvre très très bien. Le petit poulet de bord, il travaille très très bien, donc on respecte son travail. Je vous prie. Merci, c'est gentil. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Et voilà, bravo, conducteur. Bah bravo. Parce que du coup, je vois plus ce que je fais à cause de toi là. Pousse-toi de là, je vois pas la boussole. Et pousse-toi, je vois pas la boussole. Sud-ouest. Alors, là t'es il reste sud-ouest. Des appâts. Voilà. Oh. Allez, va pêcher. Attends, Parzi, je t'apporte la solution à tous tes problèmes. Tiens, cadeau. Oh, merci, c'est très gentil. Ah, du coup, elle a pris la poudre. Elle a pris la poudre. Prends-en quelques-unes, cadeau. Ça peut être utile. Je suis pas merci. Donc t'as dit non, ouais, c'est ça. Non, mais je vais aller pêcher. Dans cette zone, c'est quoi pour l'appât? On est en centre map, on est où là? Ouais, je sais pas. Non, on arrive à gauche, hein. Pour l'instant, c'est rien. Et dès qu'on va passer la grande île, ou à peu près vers la grande île, tu peux passer à l'astico, au vert de terre classique rose. Le rose. Je comprends pas pourquoi on était si loin, il nous manquait une voile en fait. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, là, on est en milieu de map, et en milieu de map, tu peux rien looter de spécial. Et bah, c'est trop naze. Par contre, ils auraient pu faire des positions autrement que la typose coincée du cul sur les tous les angles de table sur lesquels tu peux t'asseoir et autres trucs. Enfin, tu peux t'asseoir dans le jeu, mais genre c'est pas stylé. Ouais. Pour tout ce que font les pirates est avant tout stylé, même si c'est pas utile. Oh la vache! De quoi? Bah sous le vent. Ah ouais. Ah oui, là ça souffle. À l'arrière. Ça souffle un peu. Hein. Ah là franchement j'ai une belle vue, hein. Bien dégagé, propre, ouais, nickel. Ah il profite. C'est hein. Moi sous la... Jusqu'au mégalodon. Le il est appelé. Pas avec le col est fait. Les équipages de Narfang, c'est qu'il y a toujours que 2 personnes sur 4 qui travaillent. Pourquoi là moi je travaille. Bah ouais hein. Yo gros, moi je travaille. Tu savais pas frérot. Je suis en train de cuire le Kraken que ça prend 1000 plombasses. C'est moi. 100 secondes. Coin. 30 secondes, non, c'est pas 30 secondes, mec. Hein. Vraiment, regarde, compte. Là, non, top, temps. Je viens d'en mettre un. 100. 50 plus 50.
100. Ah, 100 secondes. Oui, oui monsieur, 101, mais, double 0. Mais j'avais compris 80 moins 20 plus 40 moins 78 multiplié par 4. Ouais. ouais, ok, ça marche. Ouais. Et après j'ai oublié la fin. Tant dire que t'avais rien capté quoi. Ouais, c'est ça. J'ai dû réparer le navire en plus entre deux parce que ça a été mal réparé. Ce qui fait qu'on a de l'eau dans la cale. Qui est-ce qui s'occupait de réparation déjà dans ce bateau là? C'est quoi le trou qu'il y a là, à droite? Hein? Ah non. Rien, j'allais dire une vague. J'ai cru qu'il y avait un siphon à droite. Un peu à droite par contre, s'il te plaît. Ah, c'est vrai, ils nous ont pas encore mis des typhons là qui absorbent notre navire et qui nous détruit une bonne fois pour toutes et qui nous oblige à racheter un jeu. Ah, t'inquiète, pose pas de questions. Ça va arriver un jour, c'est ça. C'est... ouais. Tu veux dire que ils vont implanter littéralement l'expression tomber de carie dans Scylla? C'est beau. De quoi? Perdre ses caries en syllabes? J'ai rien compris. Non. Qui paume ses dents sur des syllabes? Putain, le mec il m'a fait un mauvais dos. C'est un domineur. Maintenant tu peux aller. J'ai perdu une dent. Plein ouest. Putain, je suis vraiment la seule à avoir cette rêve terrible. Merde. Tu peux aller plein ouest maintenant, regarde. Non. C'est l'île là-bas qui est dans la brume. Maintenant toutes les personnes de 60 ans ont cette rêve. La brume là-bas c'est l'île. De quoi, Claire? Toutes les personnes de 60 ans ont cette rêve. Ah bah quand même, j'ai eu peur. Knarfan, il faut que tu viennes... faut que tu montres à YouTube ce qui se passe là-bas. Donc on est que deux à avoir cette rêve, nickel. Dis-toi Knarfan, que si tu uploads la vidéo là, aujourd'hui ou demain, tu seras en avance pour une fois. Bon bah du coup, faudra que je la poste après-demain. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je leur montre à ton tube là? Regarde devant. Il y a un crâne à gauche. Hein, l'île de devant. Devant? L'île devant. On voit rien, mec. Qu'est-ce qu'un avant-poste? Ah, mais je repasse une fois que j'aurai fini cuire mon bout de Kraken là. C'est quand même plus important. YouTube regarde quand même de la cuisson de Kraken, c'est quand même pas rien quoi. À la personne qui est devant. Oui? Qu'est-ce qui se passe si par hasard je venais à faire clic gauche actuellement? Oh bah je tombe, hein, ça je le sais. Vas-y, alors là s'il te plaît. Hein. Pour moi, hein. Pour toute la commu, pour la France. On veut voir ça pour YouTube. YouTube veut voir ça. C'est bon, YouTube a vu le plus important. On peut déco, les gars. J'ai réussi à remonter, m'en fous. Nice. On fait l'échelle, c'est bon. Voilà, donc là on arrive sur ce qu'est l'avant-poste. Ce qui était. Non, c'en est toujours un. Par contre, faut remonter les vols ou faire quelque chose, que je vois rien. Bah, de toute façon, pour l'instant, y'a rien. Tu vois l'île. Alors, on pourrait quand même te remettre de la voilure parce que t'as quand même le vent dans le dos et que, bah, actuellement, si tu veux. Ou alors, on te laisse juste la voile arrière, quoi. Ouais. Attends, le vent il vient de face ou il vient de dos? Non, il va avoir. Non, il vient de dos, il vient de. Il y a le ponton à droite, mais on va être trop rétracté. Il vient du. Tu es sous le vent, mon ami. Le ponton est à droite, hein. Le ponton est à droite. Le ponton est à droite. Là maintenant. Mais maintenant, ancre, vite. Ancre. C'est bon, c'est calme. Mais c'est pas ce ponton. Et ça va pas tourner. Si, ça tourne. Ouais, mais c'est pas le bon ponton, de toute façon le ponton est toujours de l'autre côté. Non, y'a un bout de ponton. Pas le skin de l'île, quoi. Non. Mon Kraken se noie. Non, pas encore, ça va. Y'a un petit peu d'eau, c'est un peu humide dans laquelle. Mais attendez, je vous éclaire. Non, mais c'est bon. C'est bon, tout va bien. Attends, par contre, toutes les voiles sont montées? Ouais, je remonte tout de suite. Mais attends, je te file un coup de main. Au moins comme ça, on aura juste à se barrer. Ouais. Et du coup, on a quoi à faire sur l'île, là? Alors, là, on est sur l'île, donc normalement, ça a dû actualiser la quête. Barre espace, quête... Attends. Ah, c'est pas ce que je vais faire. Alors, attendez. Non, visiter l'avant-poste. Pour l'instant, c'est toujours visiter l'avant-poste. Ouais. Faut aller checker un œil dessus, j'arrive. Hop, c'est pour moi, c'est cadeau. Hop, c'est pour moi, c'est cadeau. On va voir si elle va être cadeau celle-là. Viens me chercher si tu l'oses. Ah, je suis parti trop loin. Bah, je sais. Oh, c'est celui du côté duquel je suis.
Il y a une petite ambiance assez glauque, moi j'aime bien l'ambiance. Ah, même le ponton Athéna, le souterrain a été effondré. Voter attends, pour émissaire de la fortune Athéna. Ouais, par contre, c'est toujours la quête ici. De quoi c'est voté. Il y a toujours la quête. De quoi la quête? Non, là, là. Allez, hop, c'est voté. Mais c'est pas pour voter, c'est pour, la quête, c'est pour avoir un drapeau. Ah, ouais, Narfang. Oui. Regarde sur le coin de la table. Quel coin de table? Code de pirate. Boussole mystérieuse. Figurez-vous que j'ai vu une boussole mystérieuse. J'ai rien vu, moi j'ai rien compris. Ah, attendez, c'est l'objet de quête. Vous pouvez le prendre en main. Ça pointe un endroit. Vas-y, donne. Tu l'as sur toi ? Non, ah bon ? Je l'ai dupliqué grâce au pouvoir de. Ah oui ? L'amitié. Attends, ça pointe par là-bas. Ça pointe par là-bas. À ne pas sortir de son contexte. Y'a un petit vent au dessus, il a dit vite, c'est rigolo. Ou il a dit tété, mais dans tous les cas, c'était rigolo. Oh, c'est marrant. Les collectionneurs d'or. Ça me fait pas marrer. On peut lui chourer sa thune ? Ah, c'est marrant. Moi, il me dit d'aller. Ouais, je crois qu'il faut prendre l'eau là. Je pense que. Quelqu'un a une grenade pour jeter Nel à l'eau. Comment ça ? Par contre, c'est glauque, hein. Genre, y'a vraiment personne, t'as l'impression que c'est mort. Bon, c'est trop bien, c'est il reste trop beau. Des tonneaux. Tout va bien. Moi je vois pas la différence avec un avant-poste habituel. Il y a des tonneaux pleins. Je vois pas la diff. Moi franchement ça y est, j'ai déjà fait le plein. Je déborde. Ah. Eh bah dis donc mon salaud. Et elle ne toujours pas sortir de son contexte. Je sais pas. Je sais pas si vous avez vu, mais genre il y a des endroits où on dirait qu'ils ont fait des barricades. Oui. On dirait hein, certains endroits. Hein. J'ai 5. Oh là, j'ai 9 boulets de canon qui traînent ici, hein, si jamais ça intéresse quelqu'un là. Y'a plus personne, c'est ça. Okay. J'ai déjà les poches pleines. Ouais, ah ouais, ils ont utilisé un canon ici, oh, ça a été détruit et tout. Oh, trop bien. Trop bien. Oui, je suis sûr que t'as pas des boulets de canon sur toi, tu vois. Si. Je mens en allemand et en autrichien. Ah, j'ai la par ref. Par contre, vous êtes pas allé sur la bonne île, hein. Allemand, en allemand. Fonfon, s'il a cette ref. Voilà, parce qu'il est très. Ouais, bien. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Tu mens en allemand de carré dans Scylla. J'ai bien compris que bon, bah. Oh. C'est quoi ah, les voilà, problèmes avec ta dentition? Je suis un peu l'ancienne, quoi. Mais non, mais pas ma dentition. Caride en Scylla. L'aide. C'est quoi un caridé? Je vois pas. Je dois vraiment expliquer l'expression là. Mais oui, hey, tu sais qu'il y a des gens qui regardent YouTube, je suis sûr qu'ils l'ont pas. Bah déjà il y en a deux pas. Avec nous. Sur les deux, je suis sûr qu'il y en a un des deux qui ne l'a pas. Déjà. Ouais, moi je l'ai pas, ça c'est sûr. Eh bien, Caride voilà. En Scylla, c'est deux monstres marins dans la mythologie grecque. Il y en a un, c'est un monstre sur une montagne très abrupte, et l'autre, c'est un espèce de typhon, ouais, c'est ça. Un petit truc qui attire les bateaux. Et c'est ce que c'est Ulysse a dû affronter. Il a dû choisir entre soit un monstre sur une montagne, soit un monstre marin. Il a choisi le monstre sur la montagne pour perdre le moins d'hommes possible. Et c'est littéralement, vu qu'ils sont côte à côte, ça signifie aller de mal en pis. Voilà. Parce que tu affrontes un problème pour en affronter un encore plus gros. Ouais. Mais attends, c'est moi ou c'est aspirer vers le bas? C'est très chiant. Yes. Oh, moi, j'ai le point culture, hein. C'est pour moi. J'avais un bateau, j'avais un équipage, j'ai plus rien. Tout perdu. Non mais je vois que mon petit instant d'espoir a plu. je ouais, recommencerai. Ouais. Non non mais trop bien. Non ouais, franchement super ouais. Intéressant. Cool que t'aies. Mais enfin oui moi je l'avais la ref parce que bah j'aime bien un peu tout ce qui est histoire donc ouais j'avais la ref. Tu mens. Non vous partez sans moi. Non ça va vous allez pas trop vite. Moi, abandonnez le nain. Moi je suis perdu. Moi je suis sur une île là. Elle s'appelle Sanctuary Hills. Vous êtes où vous? Bah nous on fait le tour de l'île là. Pour venir chercher. Mais vous la êtes base. À Sanctuary aussi toutes les voiles. Oui. Ouais mais t'es pas. Je suis passé devant toi Knarfang, tu m'as pas vu.
suis sûr que vous montez. Mais non, frérot. On est descendu tous les trois à la même île. Comment ça se fait que toi t'es sur une autre île et que nous on serait sur la même île? Je suis à Sanctuary. Vous êtes où sur la carte? On arrive. T'es vraiment parti nager jusqu'à l'autre île? Bah c'est plein nord, Golden Sand. J'ai des trucs à rendre, moi. Tu me fatigues. Sanctuary, t'es aussi loin que ça? Ah oui, mec. Oui. Connaissant que Narfang, il est vraiment parti aussi loin que ça. Ouah, bah t'es loin là. Bah un peu, ouais. Allez, on met les voiles, on va le chercher. Hein. À droite. Non, mais ça va aller, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Je prendrai un taxi, je prendrai un Uber. Je te vois, mais je te vois. On est à côté de toi. Harponne-le. Vous êtes si loin. Il est trop loin. Pourquoi est-ce que je vois... Ah. Attends, je t'envoie un compagnon. Andreas, tu es volontaire. Oh non. Non. Mon chat. J'ai largement de Saru. Vas-y, envoyez-lui un Saru. Attends, on va remonter peut-être une voile ou deux. Histoire de ralentir. Ça, c'est que à la place grimper à bord. Ce chat, si seulement on pouvait lui mettre l'expression de Saru et qu'il nous fasse un... Ah. Par contre, c'est à gauche, hein. Ouais, bah, mais. Je suis la boussole, c'est sur notre gauche, hein, c'est pas là. Bah, il faut suivre la boussole, messieurs. Bah, je suis la boussole, je suis pas Knarfang. Oui, parce que, moi j'avais pas de boussole, enfin, moi si j'avais la boussole, mais j'allais vraiment vers le nord, j'allais vraiment à Sanctuary en fait. Pour l'avoir déjà fait en plus. À gauche. Ne vous inquiétez pas, je suis remonté à bord. Et je suis en train de ranger, Antonin nous range n'importe comment. Ouais, ouais, je te montre, Antonin, tu casses les couilles, tu pourrais ranger correctement. Tourne ou je te bute. J'ai encore tout dans mes poches. Tourne ou je te bute. Bah vas-y. T'es en train de Nel qui range mal. Va vider tes poches, je vais tourner. Hein. Normalement par là on devrait être pas trop mal. Je peux commencer à redresser. Ouais, t'inquiète. Aïe. Je me suis cogné. J'ai rien senti. Moi oui. Bien, ouais c'est ça. Devant YouTube, nous à gauche, la plume qui commence à se générer. Quelqu'un a une grenade s'il vous plaît, y'a quelqu'un qui pêche devant. Laisse-moi. Non, alors si elle pêche c'est sacré hein. Interdit de déranger quelqu'un qui pêche. Merci. C'est la zone c'est le totem d'invulnérabilité. Je suis en train de pêcher. Comment ça, c'est le totem d'invulnérabilité? Je t'en ferai sauter moi des totems d'invulnérabilité, tu vas voir. C'est sacré la pêche. Ouais, ta sœur. Oula. Sacré aussi. Hein? Non, j'ai dit ta sœur. Ouais. Bon, ça dépend pour le personnage. Je vis mal, hein. Ouais, Toto, non, tu vas te calmer. Je vous conseille de regarder le ciel. En plus, je finis par le bouquet final. Le plus beau. Regardez, ça fait un palmier. Vous me laissez juste la voile arrière, s'il vous plaît? Ouais. Ça fait un palmier, il a même pas regardé mon palmier. Oui, j'ai regardé. Mais je le vois tous les week-ends, ton palmier, qu'est-ce que tu me chantes? Mais pas celui-là, l'autre. Alors, important à sortir du contexte. Hein. Exactement. C'est du 7ème, 8ème, 9ème degré. Eh bah dis donc. C'est froid. Y'a une île devant là, les gars. Y'a une île devant là, les mecs. Ouais, ouais, ah, c'est pour ça que j'essaye de ralentir depuis tout à l'heure, mais vu que personne ne m'aide. Ah, moi on me dit pas, hein. Ouais, personne port. Qui pêche, si, c'est pas ça le teamplay, hein. Y'a mon port. Yes. Oh, j'ai trouvé une caisse de stockage, c'est la Turbotas. Oh, yeah, c'est trop bien. Let's go vider l'île. Bah comme d'hab, hein. C'est ça. Mais alors attends, j'arrive, j'ai eu un petit problème de cigarette. Ah. Putain, mais moi j'ai toujours pas roulé une clope non plus, au secours. YouTube, ce jeu, pour arrêter de fumer, c'est incroyable. Ah, y'a un serpent, this is the snake. Ah, mais on est sur Crescent Pie, non, ou un truc comme ça, là. Non, c'est pas l'île du croissant, ça, c'est l'autre champ, Smuggler Bay, là, ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que vous bavez? L'île sur laquelle on est. Le mec il me pose une question, super. Tu l'as senti? Le courant d'air, ouais.
Ouais, c'était une tornade. Il y avait du vent aujourd'hui en région Île-de-France, maintenant je sais d'où ça vient. Mais moi c'est la même. J'ai envoyé un, deux ou trois snaps à Nel tout à l'heure. Il y a un baril de poudre ici là. Vent. Ça intéresserait pas quelqu'un de filer un coup de main pour prendre un baril de poudre? Non, je peux pas. Moi non plus, je suis occupé. Ah, attendez, il y a quelqu'un qui parle. Qui a trouvé quelqu'un? Mais oui, vas-y. Faisons comme ça, ça n'attend pas YouTube, c'est ça? Ça lance des quêtes. Fais pas oui de la tête. Arrête de faire du head bashing. Arrête de montrer ta carte là. Bon bah YouTube, t'as pas vu la quête hein. Tu peux remercier leur forme. Bah viens la voir, en plus elle est bégée et tout. Attends, faut que je dépose la caisse à Pardy. Tiens, Pardy. Je suis pas sûr. Pardy, quand t'auras un moment, t'arponneras la caisse. Hein. C'est alors, où, c'est juste. Oui, c'est pas un à la fois, s'il vous plaît. Alors, c'est parce que j'ai pas compris ce que tu m'as dit, Knarfan. Ouais, il faudra harponner la caisse qui est sur la côte à l'occasion. Je suis prêt à l'offrir en sacrifice. Faut que j'aille voir la dame là-haut, c'est ça? Je mange une pomme. Ouais. Oh, le code de porc. Comment ça, tu manges une pomme? Ah. Je crois que je sais où on est. Ah, on a des amis. La même chose qui est arrivée à l'avant-poste Golden Sands, bien sûr. Et maintenant, d'autres îles sont englouties. Quelque chose de nouveau s'échappant de la mer des damnés et émanant des âmes perdues dans son sillage. Si on ne l'arrête pas rapidement, tout Sea of Tease pourrait tomber sous son influence. Et c'est pour ça que vous avez de la chance que je sois là. En travaillant ensemble, on peut démêler tout ça. Mais faites attention, il y a des dangers qui rôdent dans les ténèbres et je sens qu'ils ont faim. Préparez-vous et revenez me voir quand vous serez prêt à en savoir plus. Ça rime pas ça, madame. En parlant de tomber... Tu sais qui est tombé dans le trou? Moi. Là, normalement, tu fais continuer la quête. Non, enfin. Continue l'aventure. Oh, d'accord. Ah! Ah! Non! Knarfang, send help. Derrière toi. Je peux pas, je suis en train de prendre une quête. Vous êtes en train de louper les nouveaux méchants. Hein. Les nouveaux méchants, il est où? Bah, c'est ceux qui sont en train de me tabasser. Regarde là. C'est le fantôme là. Aïe! Ah, mais c'est les fantômes. On est en train de prendre l'eau? C'est les fantômes, calme. Non, on prend pas l'eau normalement. Bah frérot, si je te dis qu'on prend l'eau, c'est que je viens d'enlever de l'eau de la cale. Et attends, tu me prends oui, pour mais un... j'ai bouché tout à l'heure. Bah pourquoi il restait de l'eau dans la cale alors? Parce que je l'ai pas enlevé. Mais... Allô? Oui. À l'aide? C'est où l'aide? Ok, des fantômes. Note de belle reçue. En parlant c'est belle, une très belle note. Ouais, pour un cadavre, non, franchement, désolé, c'est plus encore ça. Je ne rollerai pas un D6 pour savoir. Vas-y, appuie pas là. Eh, c'est qui à côté du bateau là? C'est moi. Pourquoi? Bah non, justement, je pose la question. Pour savoir si y a... aucun de vous me disait, bah c'est moi, je serais sorti, j'aurais tabassé, tu vois. Non, personne se tape cet homme a des vrais réflexes. Ouais, personne se tape, ouais, t'as raison, toi, t'es pas tombé sur ce dire. Ni sur ceux de tout à l'heure. On m'a dit. Sur, on est toujours connecté, moi et Pardy, hein, je vous informe. Voilà. Donc tout à l'heure, PKPK. Pikachu. Pikachu. Elle est bien. Ouais, enfin si on pouvait éviter quand même, ça nous arrangerait. Le mec, il vient de dire qu'il voulait éviter le destin. Bien sûr. Et le pire, c'est qu'il a cru qu'il pouvait. Bien sûr. Quel innocent. Exactement. Toi, t'es le genre de mec à lancer Sea of Thieves en disant « Ah, on va se refaire une bonne session de jeu !» T'es malade à chaque fois, c'est bah la ouais. De session de jeu. En fait, moi, je, bah moi, non, je nous, le sais, regarde, en fait, avec... quand franchement... je lance Sea of Thieves, c'est pour souffrir comme sur Darkest Dungeon. Je le sais, tu vois. Je me fais pas d'illusion. Écoute, tu es maître de jeu dans Heroica où nous sommes d'accord. Ah oui, tout à fait. Voilà, donc c'est toi qui décides de vie ou de mort dans Heroica. Exactement. Nous sommes d'accord. Bon, bah là c'est quelqu'un d'autre qui décide de ton sort sur Sea of Thieves. Oui, sauf qu'apparemment pas, les mais... dés
les dés sont pipés. Oui, mais c'est comme Darkest Dungeon. Mais Darkest Dungeon, au moins, je sais que je viens de faire. Mais tu vois, enfin, moi, je veux dire, j'ai pas perdu, mais je suis pas... J'ai pas d'illusion. Toi, tu vis encore avec des illusions en disant oh, « je vais passer un bon moment de gaming ». Mais il est fou, lui. Bah ouais, en disant « faut pas que je le croise ». Il y a une petite voix dans ma tête qui me fait « faut surtout pas que tu le croises ». Et tu passes ton temps à l'invoquer. Non, parce que Nel, hier, elle a passé son temps à nous dire « ah, on l'avait invoqué, hein ». Ah, mais franchement, hier, tous les deux, on a joué peut-être pendant une heure et demie. Elle l'appelait, hein. Eh, hey, Kraken, tu viens? Eh, hey, vas-y, viens, on t'attend. Moi j'étais en mode, eh vas-y, attends, attends, on a un sloop et tout, on va se faire défoncer. Alors qu'il a suffi que j'arrive pour qu'on tombe sur un Kraken imbutable. Je le rappelle. Eh hein. Ouais, t'arrives. Kraken imbutable. Bah, Kraken invoqué une demi-heure après quoi. Mais imbutable le Kraken, très important. Kraken, de tant qu'on était statique, on pouvait pas le vaincre. Évidemment. Bonsoir. Oh, Nekshor, dis bonjour à YouTube. Nekshor, dis bonjour à ton tube. Salut Nek. Ça va? Ça va Nek, bah, écoute. C'est le feu. Constantine KFC. Bonsoir. Peut-être pas jusque là, ouais, c'est parti. Oui, c'est parce que c'est mon poulet. Ah. C'est une longue histoire. Bienvenue dans une vidéo YouTube, mec. Quoi? Bienvenue dans une vidéo YouTube, deuxième fois. Ça sera la dernière fois. Comment ça dans une vidéo YouTube? Bah, y'a une personne ici qui record. YouTube, tu pourras dire bonjour à Nekshor. Est-ce que j'ai le droit de dire des gros mots, des insultes et d'insulter toutes les communautés? Bah non. T'es sûr comme d'habitude. Dommage. Gaming, donc... Je dirais que c'est relatif. Je suis un peu déçu quand même. Bonjour, je dirais que ça ne regarde que toi. Hein. Moi, je te dirais que... Ah bah désolé, mais ici, nous... Nous parlons de gaming. Du gaming. Oh là là, mais... Comment j'entends Nel souffrir à chaque fois qu'on fait une faute de français ou d'anglais, c'est génial. C'est vraiment des vrais moments de plaisir. Mais non, mais c'est juste qu'on a fait la même vanne. C'est tout. On est connecté. Là, ça fait peur par contre. On est très connecté. Portez la flamme, prenez le feu de l'âme et partez pour. Et vous êtes où, vous les gars là? Bah, sur le bateau. Vous êtes combien dans votre partie? 4. Non, on est 4. Dommage. Exactement. On jouera demain si tu veux, Nekshor. Super. Ou alors un peu plus tard dans la soirée quand ils auront tous quitté. Bon, tant pis, en attendant, je vais bosser sur les projets de mon école. Ça fera pas de mal. En toi, tu travailles? C'est-à-dire que j'ai pas trop le choix si je veux pas avoir fait ma formation pendant 2 ans sans avoir de diplôme. Oh si, attends, faut que je... juste avant que tu partes, j'ai un bateau à te montrer. Non, mais je reste au vocal. Ah, nickel. Faut que je te montre un bateau. Mon bateau. Bah, il monte l'ancre au moment où je veux te montrer le bateau, bah nickel. Ah. Puis le bateau, ça va être compliqué. Oh, y'a pas les vols, mais c'est ton bateau ça? Ouais. Mais t'as eu ça où? J'ai dépensé sans compter. Oh, c'est le cas de le dire. Et sans compter jusqu'à combien? Sans fromage à pâte dure. 22, voilà. Je crois. Sérieux? 22 euros? Moins parce que j'ai pris un pack complet avec des voiles en plus. Ok, bon, ça va. Voilà. Quelqu'un peut tirer sa roue dans le canon? Il est où? Oh bah ça. Antonin, on demande quelqu'un pour faire de la torture animale, s'il te plaît. C'est où animal? Il y a des fois où je t'aime bien. Ah, le voilà. Ça où? Merde. C'est le moment où tous les viewers ont quitté la vidéo YouTube. Oh, il y a longtemps. Hop. Ah. Il y a longtemps quand on a commencé à dire bonjour ton tube. Voilà. C'est parti. Tiens, regarde. C'est parti à peu près là. Tu es prêt? Tu es prêt? Non, c'est ta roue. Oh. Un chat qui vole. Il a une bonne pénétration dans l'air. Hein. L'ancre, elle est baissée ou pas? Ouais. Nickel, je vais pouvoir lui montrer comment elle vole. On dirait un peu... le sort de texture de l'end, du portail de l'end. Ouais. Je suis déçu que la coque soit pas dans les étoiles. Si. J'ai trouvé un crâne.
Ouais, mais enfin, il y a des petites boules blanches, mais c'est pas vraiment les étoiles comme sur le canon par exemple, tu vois, c'est pas la même texture. Les voiles. Est-ce qu'il y a genre de collection aussi pour les vêtements et les armes, etc. Quelqu'un a trouvé la flamme de la brume là, ou je sais pas quoi là. Non. La flamme de l'âme, tout ça là. Par contre, avec ce bâton, on est visible de très loin. Ouais, mais c'est pas grave, du moment qu'on est beau. Ouais, là on est beau. Hop. Ça. Ça. Et. Oh. Ah ouais, hein. Ah oui, non, parce que moi dans Sea of Thieves, les éléments que je préfère, c'est la barre, tout le temps. Moi, je suis fan des barres de Sea of Thieves, mais alors là. Ok, bah ouais. C'est conquis ou pas? J'avoue que là. Attends, je suis déçu parce que je pourrais plus imposer mes. Tes skins. Mes trucs à moi. Faut pas imposer mes skins parce que je sais que de toute façon ils seront moins bien. Non, mais garde le stream, je vais regarder. Ah! À moins que t'aies pas de connexion et que quelqu'un veuille bien. T'inquiète. Hop, je reviens en dessous. Tac. J'essaie de me rappeler s'il y a une flamouche à allumer sur cette île. Une quoi? Une flamme. Parce que je me dis, on est censé trouver une flamme là. Ouais, c'est, bah, c'est bon, je l'ai, frère. C'est bon, tu l'as? Ouais, bah. Tu peux la prendre toi aussi si tu veux. Hein. Elle est où? Bah viens, t'étais avec moi là je crois. Ah, je sais pas, j'entends du bruit du bazar mais je vois rien. Là viens. Ah oui, bah d'accord, oui. Elle là est... regarde, c'est juste là. Yes, bah super. C'est elle, tu prends sa flamme et let's go. Et regarde, y a même, j'ai même trouvé ça. T'es où? Je reviens en fait, j'ai sauté mais il y avait un trou. Du coup, je reviens. Hop. Ah, probablement ça tourne mal là-haut. Allô? J'ai ce qu'on appelle un gros là. Ah, ah super, comme ça que tu parles de ton capitaine quand il est pas là. Je suis pas gros là, juste un peu plus fort que les autres. Ma dernière balle. C'est bon, et je l'ai tué sur 5 balles. GG. Bon, maintenant faut retrouver le bateau. C'est le plus facile, ça. Ouais, c'est bon, ça y est. C'est vrai qu'il est un peu visible de loin quand même. Et là, il faut qu'on aille vers les Wilds. Exactement. T'es sérieux là? Tu fais quoi camper ici toi là? Elle est partie, elle l'a dit. Ah mais j'ai pas entendu moi ce qu'elle a dit. Eh ben elle a dit qu'elle est revenue. Son il est trop bas. Capitaine, 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 on t'a pris ta place au siège du capitaine. Certes, attends deux secondes, je cherche un drapeau qui brille. J'en ai qu'un qui brille. À quoi? Un pavillon qui brille. J'en ai qu'un qui brille. Pourquoi tu veux un pavillon qui brille? Parce que comme ça on est encore moins discret. Discret. Ouais, bah, j'en ai bien qui brille. Ouais, mais ça va être compliqué. Bon, après vous verrez. Frère, attention, j'ai mis un baril là-haut. Hein. Je pense qu'il va exploser. Ouais, ouais, j'ai vu. Enfin, moi perso, j'ai vu. Les autres, on leur fera la surprise, mais.
Bon, je est-ce que toutes les vols sont la cale, ouais. En disant, on se fait attaquer par un kraken ou n'importe quoi. Boum. Voilà. Oh là. Bon bah du coup vas-y on fait tout à deux hein. Bah comme d'hab hein, j'ai envie de te dire. Bah ouais. Donc on est là et là il nous a dit faut aller au Wild. Dans les Wilds, ouais. C'est... Bah vas-y je te laisse parce que moi je t'avoue la carte je la connais pas. Alors attends les Wildas. Je me montre c'est pas le sud. Là tu vas au nord. Pas dans le sud. Wild, le Wild de trésor remonte. Ouais, trésor. À l'est. Oui. Tu les. Oui, mais en fait la région elle est coupée en trois. Mais je sais plus c'est quoi les noms des régions. Je suis embêté parce que j'ai plus le nom des régions. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. faudrait trouver internet. Avec les différentes régions, parce que j'ai plus le nom des régions en tête. Ah. Bouge un peu. J'espère qu'il n'y a rien de cassé, hein. Il n'y a pas de casse, hein. Ah, du coup, je suis tout seul sur le bateau. Ah non, je suis là. Allô ? Il n'y a pas de casse ? Non. Ok, excellent. Je suis parti... Un jour. Alors... Est-ce qu'il est en français ? Ok. Ah, il y a le perroquet. Sur l'île, il y a le perroquet qui nous a parlé dans une fable ancienne, là. Ok. Ah, c'est rigolo, mais on peut pas l'atteindre. Il est perché sur un rocher. Ah, The Wild. Ah, c'est non, le nord-est. Ok, je vois qui c'est. C'est un autre perroquet. Faites quoi ? Vous faites une quête du filibustier ? On fait une des... La quête temporaire, là, de 15 jours. Donc la région The Wild est la partie du nord-est du monde. Elle peut sembler la plus sauvage, la plus menaçante que les régions précédentes, avec des îles désertes hantées entre guillemets avec ses squelettes pirates. Donc faut aller dans le nord-est par là en haut. Vas-y, on va aller à Murder Arch. Donc, de là où on est, c'est... Ah ouais, c'est nord-est, carrément. Hop, ça c'est monté. Poum poum. Allez, ciao tout le monde, hein. C'est bon, t'as besoin d'une voile ou deux ? T'as besoin de quoi, dis-moi ? Bah là, de toute façon, on va nord-est, full nord-est. Donc, on peut sortir les trois voiles. Juste fermer ça. Donc là, on va à Marauders Arch. Marauders Arch. Ok. Ah oui, on va pas à côté. Ah non, non, on va le vent de face, c'est ça ? Wow. Ouais. Quasiment full vent de face, quoi. Il y a un bateau fantôme à droite, on dirait là. On est censé suivre des bateaux fantômes d'après ce que j'ai compris. Hein. Ah mais y'a Sao qui est revenu. Mais casse-toi toi. Dégage. Arrête de nous pourrir notre c'est gaming. Pas très sympa, quoi. Attends. T'as pas un animal qui s'appelle Nekshor, je le balance aussi. Bah super. On va voir, hein, bouge pas. Je vais vous chercher ça. Non mais je vois que je suis pas aimé. Personne ne t'aime. Héros, je suis un singe. Ouais. Il y a un truc qui bille de mille feux à droite là.
Ouais, ouais, c'est un gros crâne et puis il y a un navire squelette aussi. Qui a l'air de venir en trajectoire d'interception, ce navire squelette. Ah. Il est revenu, camarade, là ? Non. Dégage de mon bateau. On va faire chier le pirate, là. Donc. Tant qu'on n'entend pas la musique, ça va. Éteignez les lumières, moussaillon ! Mec. Alors. Moi je veux bien te l'éteindre, hein. Mais. Le problème c'est qu'il va falloir jeter les canons. Pardon, jeter les voiles. Mais on devine quoi. Il va falloir tout jeter quoi. Même la coque, hein. Ah là, là tu balances tout. Hein. Nexor, reviens ici. Il est où? Il est où? Nexor? Maudit perroquet. Ouais, ouais, ouais. Bon, je l'ai. Bon, écoutez, moi je me propose de pêcher. Hein. De faire quelque chose de constructif ouais. Pendant que vous faites votre quête. La quête n'est pas constructive. Non, non, mais eux ils font des choses constructives, j'en fais d'autres, chacun son truc. Ah oui, moi je vois que je me mets sur le côté quand je pêche. Oui. Pouf, je mange, pas, c'est tac. Je sais pas vous, mais nous aujourd'hui on a eu des rafales de vent. Crotte de ouf. Même moi à un moment j'ai dû prendre la voiture. Même en voiture je me faisais secouer. Bon, j'ai eu un tonneau. Oh là! J'ai eu de l'absence. Je me suis rendu compte de quelque chose. C'est qu'à chaque fois qu'il y avait un Kraken, je n'ai jamais lancé quelque chose sur le Kraken, je n'ai jamais essayé de le tuer. Non, non, moi j'étais dans la cave en train de réparer. Je n'ai jamais vu le Kraken. Donc c'est celle qui a tué. Ah, tu veux qu'on change de place, Nel? Tu veux te mettre à la barre et moi je vais réparer? Vas-y, hein, au moins comme ça, moi je suis à l'abri, je meurs pas, hein, parce que j'en ai marre de mourir. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que je suis parti? Absolument. Ouais. On a eu 3 kraken, 2 mégalodons et un mégalodon blanc. Tu crois toi? Attends, on doit affronter des navires spéciaux? Non. Si, si. Prenez le feu de l'âme, partez pour les. Le wild. De là, trouvez l'île brumeuse où rôlent des navires spectraux. Mais on est passé à côté tout à l'heure. C'est juste du break bay. Je crois. Parce que là, en gros, je suis allé voir sur internet et les Wild, c'est les îles qu'il y a au nord-est de la carte. Les Wild. Oh, je vais plus casser. Eh, on est en France ici, hein. On met pas les accès. On met pas les accès. Wild, ne t'y dis pas. Ouais, est-il le mec qui nous parle avec son fort accent picard? C'est trop moche, quoi. Wild. Non, mais Wild. Si, c'est ça. On doit aller à Chivray Bay. Je viens de regarder sur internet. Bah vas-y, dis-moi la direction, alors là de maintenant. Là de maintenant, là tout de suite, tu descends plein sud-est. Ah donc à l'opposé de l'ombre. C'est-à-dire avec le vent, ce qui est une bonne nouvelle. Mais en fait c'est Chivrek Bay, parce que c'est la seule île à côté de laquelle on est passé, où il y avait des bateaux fantômes et la brume. Je laisse les voiles comme ça pour me
Ah, t'inquiète, j'ai le. J'ai l'œil. Gros caillou. Gros caillou. Et que Narfang, il fait quoi? Il pêche là? Ouais. Ouais, puisque Nel, elle veut pas pêcher. Oh, bah, voilà. C'est marrant parce que Nel, quand elle joue à Sea of Thieves, un coup on l'engueule parce qu'elle pêche, et un coup on l'engueule parce qu'elle pêche pas. Ouais, mais moi j'en ai marre. Vraiment, Nel, tu dégoûtes. Au moment. C'était ton moment. Là, j'essaye de manger tranquillement mes raviolis végétariens. Laisse-moi. Pardon? Ouais. Ouais. J'ai entendu deux mots qui vont pas ensemble. Raviolis végétariens. Ouais, ouais. Bon, c'est beau. Voilà. Comment je mange? Ah, enfin du vent. Enfin de la vitesse. Voyons. Voyons. En vrai, ce serait stylé qu'ils rajoutent le choix de design des bateaux que t'as. C'est-à-dire genre passer du brig à un bateau, c'est un peu dans le style des Chinois. Avec des grandes voiles rectangles au lieu des voiles carrées. Ouais, avec des styles de bateaux en fonction des régions. Ouais, c'est ça. Et genre tu veux dire des spécifications, genre mode vitesse, maniabilité, etc. Non, même pas. Même pas. Juste le type. C'est ça, juste un style différent. Genre le sloop, ça pourrait très bien devenir. Comment ça s'appelle Merde, IRL. Une bonne grosse galère à rame. Non, mais ça pourrait prendre. Il y a des bateaux. Merde, comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. Le vent, il vient d'où là? Des esquives, des trucs comme ça. Ouais. Le vent, il vient du nord. Il vient de derrière. Okay. Top, hop, hop, touche pas celle-là, remets-la. Top. Mais il y a des. Il y a les petits bateaux à voile triangulaire uniquement, tu vois. Et ça pourrait le faire pour le sloop. Et pour le galion, tu pourrais mettre les. Je vais dire une connerie, mais les Yoshinmaru ou japonais, tu vois. Les grosses briques. Et au lieu d'avoir des voiles, t'as des rames. Tu vois, des trucs stylés. Ça change rien. Hein. Mais. Ça pourrait être stylé. Bon, c'est bon, je suis dans la bonne direction, hein. Attends, je vais te confirmer ça. Il y a un caillou le vent. J'ai dit quoi comme nom de lui là? Il y a un caillou le vent. Ouais, t'inquiète, je tourne. Ouais, voilà. Faut que tu remontes un tout petit peu plus. Faut que t'ailles au tic, au-dessus. Où ça? Non, dans au tic, ouais, au-dessus, bah, en sud-est. En est sud-est. Oui, mais c'est un gros caillou. J'ai évité un caillou. Ouais, non, mais c'est. Est-Sud-Est. Ouais, Est-Sud-Est. Tu t'en sors mon knarf? Je vois que depuis 10 minutes t'es sur le même. Ouais, parce que c'est un gros. Oh bah Vindu. Ah ouais! Et c'est raciste un peu. Non. Normalement on devrait pas tarder à la voir l'île devant. Elle est quelque part par là. Attends, à moins que je me trompe encore. Où est-ce qu'on est? Ouais, c'est ça, elle est devant. Bah, commence à remonter les voiles. Hein. Non, on a le temps, on est. On a loupé des barils. Bien 5 minutes, hein. Trop tard. Heureusement qu'il n'y avait pas de baril d'explosif, hein. Ouais. Ah ouais? T'es sûr de toi là? Ah oui, on en a un au mât. Hein. On en a un au sommet du mât, donc éviter de grimper avec des armes, faire les cons, etc. Ouais, le premier qui tire en haut du mât, il a gagné. Alors, où est-ce qu'elle est? Faut que tu descendes un poil plus, maintenant tu peux redescendre sud-est. Tu vas te remonter à l'est. Attends, c'est quoi cette île là? Ah? Ah, bah je crois qu'on va se la prendre de plein fouet. Non. Ça veut dire que je vais perdre mon poisson, c'est ça? Non. Bah tu vas perdre ton poisson, ça c'est sûr. Non. Oh le cul. Bien vu les aveugles. Non, ça passe. Mais elle est pas marquée sur la carte par contre cette île.
Genre les deux mêmes qui bossent, hein. Il y en a une qui est occupée à manger des faux raviolis. Par contre, après je veux bien confirmation, mais il y a pas d'île sur la carte. Hein. Bah je suis un peu occupé moi frérot là. Ouais non mais. Bah si tu veux viens prendre la barre et. Vas-y, va voir. Non, il y a pas d'île sur la carte. Ah ouais. Il n'y a pas de carte. Je confirme, il n'y a pas d'île. Ah exactement. C'est quoi, j'ai envie d'aller y faire un tour. Vas-y. Hein. Au revoir. Salut. Peut-être là, je demande atterrissant, je rigole. Non. Okay. Non. Dans l'eau. Oh, quand même, on était assez loin. Hein. Tu veux pas remonter là? Oh, t'es sérieux là? Les mecs ils viennent seulement de découvrir l'île non marquée sur la carte, c'est extrêmement intéressant. Non, c'en est une autre ça. Non, non, c'est celle-là de base. C'est la toute première île qu'ils ont ajoutée non marquée sur carte. Voilà. Bah moi je suis jamais venu jusqu'ici. Enfin, avec les premiers fonds marins larges d'ailleurs au passage. Parce qu'avant les fonds marins ça descendait à pic, c'était à peu près tout. Tu veux voir un truc d'eau, viens voir. Ah, j'arrive. Bouge pas. T'es vraiment assis sur le bord de la table. Oui. Montre-moi quelque chose de drôle. Ah ouais, ça c'est super drôle. YouTube se marre. Bande de connards. Ah bah j'ai un coffre ici. Je l'ai vu en direct, c'était marrant. C'était un bon moment moi, putain. Quelqu'un qui a trouvé 230 000 dollars. Par contre, je viens de l'être pour la manœuvre. Ah ouais, bah j'arrive, mais je suis loin. Merde. M'explique. Parce que du coup, on y est. Ah, on se tire dessus, je crois. Ouais, on se tire dessus. Par un bateau IA. Ok. Ou un canon IA. C'est l'effort de chiffre break. Vu comment ça cloche, c'est une IA. Tu vois. Celui-là il va taper. Oui, vu la cale. Il faut que je suis dans la cale. Oh, mais j'en ai marre de ton journal. Si seulement on pouvait désactiver ce truc. Ouais, vu l'angle, c'était les canons hier. Ça ressemble à un navire fantôme, ça par contre. Oui. Ah putain, quelqu'un pour l'encre vite fait. Trop tard, ça va taper. Non, ça tapera pas. Voilà, elle va réparer. Vas-y, j'arrive pour remonter l'encre. Je remets la barre droite. Et c'est qui m'a fait exploser là? Qui est-ce qui? Je sais pas de qui tu parles. Il y a aucune preuve. Ah. C'est toujours les trois mêmes qui bossent, hein. Ouais. Il y en a plus deux que trois, mais Il suffira d'une étincelle. Par contre, je rappelle qu'on a pris un tir dans les fesses, hein. Voilà. Ça m'en pas. Laisse le temps de prendre. De prendre. Par contre, c'est quoi ce canon qui nous tire dessus là depuis 5 minutes? Il y a un bateau derrière vous. Ouais, mais c'est un bateau fantôme. Voilà, il nous tire pas dessus celui-là. C'est l'île, regarde, c'est derrière l'île. C'est derrière le bateau qu'on nous tire dessus. Bah, je suis pas peu fier là. Ah. Ouh. Fais gaffe, il y a un caillou juste devant. Ouais, je l'ai vu celui-là. Mais je vais continuer à tourner. Mais je sais pas où est le centre de l'île en fait. J'aurais bien une réponse, mais ça va pas te plaire.
Ouais, moi aussi, mais on évite. Mais dis-toi, je suis en train d'orienter la voile pour que t'aies le maximum de vent possible. Ouais. Mais on voit vraiment rien. Ah, elle est juste là à droite. Ok. Vas-y, remonte la voile. Bon, bah, je pense que je m'en occupe. Y'a un truc qui brille à gauche hein, dans la tempête. Hein. Ouais. Alors, ça risque de frotter un peu, on risque de racler le bas de caisse. Va à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. On s'arrête, t'inquiète. Aie confiance, on s'arrête. En général, les gens qui disent aie confiance, faut pas avoir confiance. Bah oui, je non, sais. Non, regarde. Ça s'arrête. C'est pas sur nous qu'il faut lancer l'eau. Tu vas voir, c'est pas sur nous qu'il faut la lancer. Hop, je nous mets juste un petit frein. Ah d'accord, ok, c'est ça que j'entends. Ouais, y a la j'allais dire, j'ai entendu un petit ch'touk. Ah non, c'est moi qui mets le frein. Qui s'appelle le... Alors, l'âme en partance. Portez la flamme. Quelqu'un a pris la flamme? Oui, moi. J'en ai une. Allez-vous aussi. Bah, lanterne. Lanterne boy. Ouais, mais moi j'ai la lanterne de base. Il faut allumer les feux sur l'île. Je vois. Ah ouais, I know. Ah, je me suis pété la jambe en arrivant sur l'île, super. Chut. J'ai rien fait moi. Je suis une personne parfaitement innocente. Là-bas, merci frérot. C'est moi, t'as parlé, t'as calé parfait et innocent dans la même phrase en mettant Antonin. Oui, c'est même forcément dire que j'ai singé quelque part. Ah, serviteur de la flamme. J'ai trouvé une chaloupe. Oh, avec un harpon. Ouh, et beaucoup trop de munitions dedans. Vite, il faut vider ça. Genre 50 boulets de canon. Ah, mais qu'est-ce que... Pourquoi moi? Wesh, pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi pas? Ça peut être passionnant, regardez-moi. Au secours! Ah oh ouais, là c'est allez, vraiment... Soyez mes yeux. D'accord. Pourquoi c'est moi? Non, pas le coup de trombon, pas le coup de trombon. Mais t'es où? Après... Bah partout sur l'île en fait, il faut se taper monsieur. C'est octogone central sur l'île là. Hein. Après je regarde pas de manière full concentrée, c'est un peu comme la télé que tu laisses en fond pour du bruit quoi. Ok, je vois la dernière flamme. Je pense qu'il doit y en avoir. Moi aussi. Il y en a 8. Ok, j'en ai 3 sur 8. Let's go, je rush. Elle me montre un tu truc. T'allumes pas toi? Ici. Ah, c'est toi que je vais allumer, ouais. Ah, non. Ah oui, t'es là. Ok, il y en a un autre juste là. Ok. Il y en a un autre genre par là. Non. Moi, je vois quelqu'un sur le bateau au loin. C'est con ça. Salut ce truc. Impossible d'allumer la cage rituelle avant d'avoir allumé les 8 bras zéro. Vous m'allumiez des bras zéro là. Y a pas une sombre histoire de. Oui, si on peut accéder au top de l'île. Peut-être au top aïe, de l'île. Eh hey, bâtard! Oh là. Si, c'est là-dedans là. Aïe! Aïe! Tu t'en sors bien avec ton octogone central, t'inquiète. J'ai entendu un baril de poudre. Alors, les pirates n'ont pas ça. Ça va, tu t'amuses? Oups. Allez hein. Hop, on est cop. Hop. Knarfang. Ouais. Toi aussi tu vois le truc briller de l'autre côté? Sur l'autre pic, de l'autre côté? L'autre pic sur la rue de l'autre côté. À ta droite, regarde. À ma droite. En haut.
Ah oui, c'est le petit perroquet de la quête là. D'une des quêtes fantômes là qui nous suit et qui nous poursuit. Par contre, je vois pas les autres, mais ils doivent être. Faut voir avec les fantômes en bas là. Ils nous donnent des indications. Je suis pas sûr. Hein. Si, des fois t'as. Vas-y, hein, courage. Hein. T'as une femme fantôme qui te montre qui apparaît, qui te montre du doigt la direction. Oula, je suis vraiment atteint parce que t'as dit d'une autre manière. De toute façon, c'est pas un truc qui apparaît par vague. Ah, quelqu'un a allumé un bras zéro, non? Non. Bah ouais. Bah ouais, on peut le dire. Vous savez, ils sont déranges là. Bah vas-y, viens, faut venir au milieu là, tout le monde au milieu. Vas-y, allume-moi ça. Bah tiens, vas-y, allume-le. Au moins, comme ça, tout tu y vois. Ah. Y'a un baril de poudre fantomatique là. Ah, ça marche bien, hein! Je savais pas que les fantômes ça explosait aussi fort. Hala! Tu m'as tué. Je suis mort. Pardon. Oula! En fait, les canons marchent. Ça dérape, par ici, ça dérape. Attendez, faut que j'en retrouve un autre. Je sens mes racines profondes ressortir. Hein. Bismillah. Boulis. Oh, il y a des boulets ici. Bah, boulets fantômes. On peut se servir. Alors, on peut se servir des canons. Bon. Boulets du canon du spectre. En... What the fuck. Bonsoir. Bonsoir. N'approchez pas des reliques. Ah, les fantômes, c'est les seuls qui se font pas. Qui t'ignorent quand tu fais un counter. Je savais pas que les fantômes ça pouvait te taper. Ah si, ceux-là ils sont vénères. Ouais, mais normalement ils sont. Aïe! Mais moi j'ai rien demandé, tu sais, je suis au milieu en train de vous regarder vous taper tout à l'heure. Mais non, faut qu'on me tape. J'en ai un qui m'a frôlé la casquette. C'est pas les bons là. Merci. Rien avec Narfan qui campe avec son canon. Pourquoi est-ce que ça m'ajoute des squelettes vaincus quand on tue les fantômes? Tu es venu, y'a quoi? Ah.
Ah, capitaine. Il a spawn le boss. Bah, il est mort. Ah non, il est là. Il se téléporte. Il y a plein de bruit de canon. Ah. Derrière toi, Nel. Ouais. Mais c'est qu'il en a de la vie celui-là, dis donc. Aïe. Pourquoi je brûle? Ça, ça brûle un peu, monsieur. Ça aura pas été de. Ah bah voilà. Bah alors, le feu ça brûle. Aïe, 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 aïe. Bah oui, du coup. Mais... Il refuse de mourir, hein, ça le pion. Mais connard, je te sauve la vie, tu me tires dessus. Salaud. Oh, il est sérieux à se taper de l'autre côté là-bas. Est-ce qu'il est vraiment en train de nous taunt parce qu'il est pas sans... Pourquoi est-ce que ce canon il a du feu dedans? Parce qu'il reste un boulet dedans. Tire-lui entre les deux yeux. Il y a Pardy qui se bat tout seul. Pardy, il est littéralement parti en solo dans la jungle. Littéralement. Bah j'ai pas de coéquipier, vous êtes tous là en train de blablater là. Ah voilà, ça va tout de suite plus vite quand on le tue, hein. Quand on vient taper dessus. T'as un bignou à ramasser? Non, un bignou qui vole, j'ai volé le truc. Oh, c'était pas de l'or. Il drop rien. Le chapitre 2 terminé. Si, il a drop ça. Ouais, par une carte, ouais super. Ouais bah super. Faut encore aller chercher ses morts là, à l'autre bout de la carte là. C'est mort là. C'est pas l'île qu'on a failli se prendre tout à l'heure? Et encore attention, cette carte t'es sûr qu'il l'a fait dropper, c'est pas moi qui l'aurais ramassée par hasard. Non, regarde, elle a un petit cachet. D'accord. Vous savez qu'il y a une fable aussi sur cette île que je crois que j'ai jamais fait. Ouais, mais c'est pas l'histoire du jour. Oui, oui, tout à fait. Donc moi j'ai récupéré boulet fantôme. Bah récupère mon poulet fantôme. Récupère. Et les boulets de canon du spectre enflammé. J'ai un panier à serpent, pas fantomatique. Je le prends. Hein. Vas-y, vas-y. Au cas où on trouverait un type toxique à transporter, genre un petit serpent qu'on appelle Antonin. Oh, trop bien. Par contre, il y a un sloop devant, dans une lueur violette, non? Devant, il y a une lueur violette, non? Vous la voyez aussi? Oui, ouais, ouais, il y a un truc qui se rapproche là. Non, non, ça fait depuis un moment qu'elle est là, celui-là. Non, 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 il y a vraiment un bateau qui est venu. Oh, mais c'est un peu de squelette. On a un baril explosif? Oui. Je peux l'électriciser sinon. Non, mais tant qu'il nous a pas embringué, déclenche peut-être pas de combat, si. Ah, vous avez l'air chaud. Bon, bah, j'ai rien dit. Ah, il s'approche un poil de plus, c'est. Si voilà, vous pouvez c'est Bagdad. Leur mettre le premier dans ces cas-là. Parce que je vais leur rentrer les voiles. J'ai un petit boulet pour rentrer les voiles si vous voulez. Est-ce qu'ils ont une échelle pour monter à bord ou pas? Oui. Ouais, je crois. Ouais. Non, bah si. Allez, j'y vais. Ils sont à l'arrêt ou pas? Non. Je sais même pas avec quoi je tire. C'est qu'ils lancent des fantômes en feu? C'est moi. Tire un poil bas. Non non, moi ça touche. C'est moi qui tire un poil bas. Hein. Pas trop où je tire. Avec la fumée des canons, moi, je vois pas trop où je tire là. Ça touche? Ah, jamais. Comment ça, mes étincelles sont chiantes. Ah ouais, à mort on voit que dalle. Ah je les aime mes étincelles. Ah oh, j'ai touché. Oui. Bon bah maintenant faut tirer les voiles et le suivre. Hein.
Non, 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 il va revenir. Attends, il fait le tour du caillou. Sérieux? Ouais. Ah ouais. Bonjour. Salut, ça va avec ta fangue? Ouais, ça va. Je nage pas assez vite pour le rattraper à cause du tonneau. Ça a touché ou pas, ça t'a rendu? Normalement, t'as un petit marqueur. Ouais. Non, non, mais c'est pas ça. Ah, il s'éloigne le bâtard parce que je vais vers lui. L'enfoiré. Oui. Je le fais fuir grâce à ma présence. Sa ligne de flottaison est un peu basse. Ouais. Putain, je touche pas. Toujours pas de taxi. Y'a quelqu'un pour prendre le harpon et m'attraper, s'il vous plaît? Oui. J'ai pas objectif. Merci. Alors vous ferez gaffe, y'a un poum poum qui traîne à côté du mât. Un quoi? Un poum poum. D'accord. Bon, ils reviennent ou ils reviennent pas là les filles hein? Ah, il est en train de se barrer, je cours après lui donc je nage, excuse-moi, après lui. Et tu veux pas mettre le barrier explosif genre en haut du mât? Si, mais bon, peut-être commencer par manœuvrer pour bah les non. suivre. Quoi faire? Bon, à la base, je voulais sauter sur leur bateau pour le faire exploser. On peut même s'amuser à jouer au réflexe si tu veux. Je prends le baril, ah je l'allume, ouais, je te le tends. Tu l'attrapes, tu l'éteins, tu le rallumes, tu le passes à quelqu'un d'autre, tu le tends. Non, ça va. Ah, on peut pas le tendre. Non, on peut pas le tendre. Ah, si. La fangue. Ouais. Clic droit. Réflexe. Droit, non, là. Attends, oh, je l'ai pas allumé. Ah non, on peut pas. Bon bah, quelqu'un a des réflexes. Comment on éteint? Tu clic droit. Tu cliques droit. Comment on l'allume? C'est clic gauche? Non, gauche. Moi je joue pas à votre petit jeu de merde. Quoi, Prenel? Moi je compte Prenel. Tiens, un cadeau! Oh non, on est dans la tempête! Et le bateau il s'est barré! On est dans la tempête? Bah ouais! Tu sais que enfin, le baril j'en sors, ça là, j'essaie pété, d'en hein. sortir. Je vais du coup ranger le baril tout en bas. Du coup le baril. Alors ne prenez rien de, métal, de métallique dans les mains. Hein. Ou à moins que vous vouliez un succès. Oh ouais. Et maintenant, il y a vraiment un succès. Temps... Alors, attends, 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 dans la pêche, c'est quoi? C'est du verre de terre classique ou c'est du noir? Ah ouais. Faut un truc métallique pour. Ah, ouais, exploser, faut ouais, mourir tu de la un foudre. Ou un fusil, tu meurs. Prends moi. On n'était pas censé aller sur une île. L'appel, ça marche bien. Ouf. Oh la chance, elle s'est pris un éclair direct. Ouais, mais faut qu'elle en mange un peu plus d'un. Faut qu'elle meure de la foudre. Aïe! Donc normalement la stratégie c'est de monter en haut, se descendre à moins d'un quart de life et attendre la foudre parce que si tu meurs de flamme ça marche pas. Ouais. Et je suis navré mais je pêche mes petits amis hein, donc je peux pas vous aider. Faut écoper hein. Non moi je me suicide, j'ai envie de gagner la flamme de la foudre. Ah comment ça tu l'as pas? Moi j'écope pas, moi j'ai confiance dans notre capacité à survivre avec un bateau qui s'incline de plus en plus sur le côté. Non non mais vous déconnez là parce que là on va couler hein. Non tranquille ça passe. Bon vas-y s'il faut filer un coup de main à écoper Par contre ah ouais. Que le en plus j'ai un gros requin les gars géants hein. Perdez pas tout hein parce que Nel ça oh, va être son premier hein. Oh, qui c'est qui a foiré son jet de seau d'eau? Et ah, si non, de préférence on pouvait m'éviter les rochers. Je sais pas si c'est pas personne n'est à la barre. Bon, vas-y, je vais à la barre parce que là ça commence à être Bagdad. Si vous pouvez m'ouvrir les voiles aussi, s'il vous plaît, ça pourrait être bien. Non, faut qu'on fasse dans la tempête. Ah bon? Ouais, pour pêcher. Bon. J'en étais où de mon suicide? C'est quoi qui est pété là? Attends, 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 où est-ce que tu te suicides? Au revoir. Bah là, je suis en train. Il m'a poussé le bâtard! Parzi, qui? Parzi, prends ton quoi épée et tu te mets exactement ici après, hein. Devant l'échelle. Après, quand tu auras pas suffisamment de PV. Devant l'échelle? Ouais, je très important. 5 fois l'enfoiré. Devant l'échelle ou ça? Tu te mettras devant le mât, pardon. Pas devant l'échelle, devant le mât.
Ah, je sais pas si je refais un coup, je meurs ou pas en fait. Normalement. Prends une banane. Hein. Ouais, c'est bon. Oh, mais putain, bâtard! Je me suis fait douiller! Non! Bah, c'est ça de pas pratiquer la pêche, hein, Clark. De quoi? C'est ça de pas pratiquer assez la pêche, hein. Ah non, plus dedans! Faut faire demi-tour! Tournez! Ouais, j'ai cru que j'allais tomber. Tournez, AFK 30 secondes. Oh non, c'est de la merde. On va pêcher de la merde, au secours. Ah ouais, on retourne dedans là, allez, vas-y, tape! J'ai AFK 30 secondes, c'est pas mieux. Faites que je me fasse foudroyer. Ah mais bah, c'est pas sur moi. Est-ce que tu t'es déjà fait foudroyer ou non? Il y a plus d'orage là, c'est ça, il y a plus de tempête. Si, si, justement, j'ai retourné. Alors, vu que je me fasse tuer par un éclair, hein. Non, j'ai envie de me faire tuer par un éclair. Ah, moi, dis-toi, il me reste une barre de... moins d'une barre de PV. Hein. Ah bah... Tout le monde a envie de te faire foudroyer. Oui! Ouf! Ça y est, t'es mort? Ouais. Bah, ah, tu prends nice. La barre le temps que moi je me fasse foudroyer? Ouais, faut que tu prennes la barre, monsieur. Parce que qui dit foudre dit je me remets à pêcher. Ouah, elle est trop belle! N'hésite pas à l'accrocher quelque part dans le navire, hein, parce que si on peut se faire les 7 aussi, je suis pas sûr que Nel les ait. Faut juste qu'on trouve un joueur qui veuille bien nous tuer. Je pense que ce sera pas trop difficile. Difficile. Ah oui! Moi aussi, je veux me faire foudroyer! Pas comme ça, espèce de vieux con! Mais j'ai rien dit! Moi ça fait depuis le début que je pense à ça, à chaque fois qu'on vient de foudroyer, je suis en mode ah. Vas-y, prends la barre. Ah, deux secondes, attends, je vide un peu ce qu'il y a dans la cale parce que personne va le quoi faire. Prends arrêtez de sortir des phrases de leur contexte, s'il vous plaît. Je vois pas le problème. Prends la barre ou je te bute. Vas-y, vas-y, vas-y. Adieu. Prends la barre. Oh, mais zut, hein. Brut de pomme, ça perd les popettes. C'est quand même un trouble, ça. C'est bon, on est en plein dedans. C'est moi cette expression date de 1637. 1, 32. Allez, ouais. Yes. Même en concentrant très fort, j'ai vraiment pas. Je vois pas ce que tu voulais dire. Hein que mon expression était aussi vieille que Mathusalem. Mm-hmm. Y'a plus de foudre. On a quitté la tempête là. Bah non, 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 on est en plein dedans. Hein. Non, non, y'a pas de foudre. La tempête ouais, est derrière. Ouais. Ou aller devant, et où tu veux, mais... Oh c'est bon. Y a pas de foudre, tu disais. J'ai pas compris. Je t'ai dit que la foudre tape un peu fort, écoute un peu ce que je dis ou pas. Ah, je me disais aussi. Non, non, on est pas dedans, elle est derrière. Ouais, t'as raison, elle est derrière. Ouais. Oh, c'est toi le derrière. Le mail, il a quand même vachement bien changé d'origine, hein. Il est passé de marron à noir. Oh, monsieur Anthony, la tempête. Non, on se met en panne ici, hein, si vous voulez. Ah, mais moi j'ai levé, toutes les voiles sont levées. Bah, non, c'est là, tu peux lâcher la barre, hein. Enfin, ouais, mais là, s'il y a plus de voile, c'est-à-dire qu'on avance plus, hein, même s'il y a l'orage, on fera que tourner sur nous-mêmes. Hein. Est-ce que je vois ce que je vais pêcher là? Non, mais ça a l'air d'être de la merde. Ouais, parce que du coup, des fois on l'a, des fois on l'a pas. Mais tu l'as pas déjà toi cette flamme blanche, pardi?
Non mais nous on l'avait déjà fait les 7. Alors pourquoi tu voulais absolument te taper la blanche là? Parce que c'était pas moi qui m'étais fait taper par la foudre. Ah pourquoi tu veux te taper la blanche alors? Oh. Arrête de sortir les phrases de leur contexte. Ça suffit. Laisse lui des patates au fond de la canne. Tu utilises quoi comme appel en fait là? Du noir. Du noir? Voilà. Et j'ai... Ah, c'était de la merde là, j'ai pêché de la merde. Dommage. J'ai plus de noir. Le noir si tu veux l'obtenir, sinon c'est en creusant sur les bords de plage entre la plage et l'eau. C'est là que tu les ramasses. Les sangsues, voilà. Faut rechercher le terme. Ouais, j'en ai des sangsues. Eh ben vas-y. Oh, tu m'étonnes que t'en as des sangsues. J'en ai envie. Allez. Ouais, vas-y, donne. Non. Bah, déjà, si, donne-le-moi s'il te plaît. On voit bien qu'il lui suce le sang, le Nexchan. Hein. Voilà. Quoi? Tais-toi. Ta gueule. Personnage malsain. Quoi? Ville créature d'alignement chaotique. Donne-le-moi s'il te plaît. Et pas qu'il fallait être une créature d'alignement chaotique pour être une ville créature. Hein. Non. Ah, j'ai pêché sans. Oh, il y a un petit peu d'eau là. Ouais, mais c'est l'eau de la pluie en fait. Ouais, je sais. Ah mais je m'en fous de ton journal de pirate au secours. Mais ça, qu'est-ce que c'était vraiment la pire idée du monde, ça, vraiment, dans ce jeu, hein? J'ai une question, Parzi, t'es sûr que tu te sens bien? Au revoir. Ouais, t'inquiète, hein. Bah, prends, vas-y, va pêcher, hein, je cuis. Mais j'en ai des sangsues. Mais oui, mais regarde, regarde ce que j'ai à cuire de très important sur la poêle. Bon, moi, je vais pêcher. Vas-y, vas-y. Question. Mais faut que t'attendes que t'aies la foudre qui tombe sur le bateau. La pêche dans le bon sens. Sinon tes stats de pêcher sont faibles. Bon après tu peux toujours essayer, hein. Tu peux toujours essayer de ramasser quelque chose. Pardi, je te voyais en train de pêcher avec ta canne à pêche, avec ton bras dans l'autre sens en fait. Ah. C'est un petit bug de pêche que tu vois les gens pêcher à l'envers. Quel style. Quel style de vie. Non mais comme s'il se préparait à lancer sa canne à pêche en fait. Oui oui c'est ça ouais. Tu les vois pêcher avec un bras très tonique. Mais j'en ai marre de ton journal de pirate, c'est de la merde. Ça n'intéresse personne. Comme si les pirates lisaient le journal. Idée de con sur les pirates, ça va lire. Ton fil est fluo, ouais. Vu qu'on est plus dans non, regarde, même les pas. Même les morceaux à la base de la canne à pêche sont fluo. Ah ouais. C'est une canne à pêche forgée dans l'acier de la tempête. Tu m'en diras tant. Bon du coup on fait quoi là? On pêche. Attends. Faut trouver peut-être la petite île là. Ah oui, la carte au trésor, tout ça, tout ça. Parzi, dis-moi ce que t'en penses. Après c'était sympa de quand même interlude de pêche. Non, je suis pas d'accord. Non. Y a une pêche non. En jeu là. Tiens, regarde, la carte elle est là. Elle est là. En face. Là. Ouais, c'est ça. Faut qu'on aille où? Il faut qu'on aille plein ouest. T'as pas un plein ouest, allez, c'est parti. Allez, ah merde, je descends dans la cale. Non, j'avais pas. Un petit poisson pour moi? Bon, bah si tu le prends comme ça, je vais aller déclencher la guerre avec le galion qui nous arrive dessus là. Arrête. On a un galion qui tombe sur nous. Quoi? C'est un squelette. Attends deux secondes, je descends les vols. Où ça? Fais chier au moment où devant. J'ai un poisson. Devant. Tu devrais peut-être tourner dans l'autre sens plutôt que de lui foncer dessus. Remets ta barre droite, à mais gauche. Putain, à gauche, tu lui fonces dessus, abruti. Oh là là, t'as à laissé gauche. La barre à un mec qui voit que dalle. Ouais, à gauche. Non mais t'inquiète, on lui fonce pas dedans. Redresse. Non, l'attaquez pas. On attaque personne, nous. Ouais, je vous ai entendu charger les canons et bande de poulets. Ah oui. Peut-être pas attendre qu'on se prenne la sauce avant de charger. Voilà, parfait. Comme si je venais à tirer une balle dessus là, comme ça, sans faire exprès en éternuant. Achoum. Comme ça là par exemple. Achoum. Oh. Regarde ce que tu fais à la barre du genou. Mou. Du genou. Ah, j'ai déclenché le combat, je crois. Non, y'a pas la chanson. Moi je l'avais qui commençait à se lancer. Non, bah pas moi. Ah. Tu rêves, Charles. Du coup, canne à pêche,
Un pas. Let's go. Vers de terre. On va vers Crescent. Ah, c'est ça, hein. Vers de terre. Ouais, ouais. Vers de terre, Nel. Vers de terre, ici. C'est quoi ce nom de navire squelette absolument infect? Ouais, non, mais c'est ce que je suis en train de voir. Là-bas, c'est l'angoisse. Mais on va passer vite fait, bien fait, ils vont rien voir. Non, mais là, franchement, bing. Est-ce que je suis redevenu un gros conquistador? Ouais, un gros con. Un gros conquistador. Un gros con, Non, ça c'est les animaux. Personne à la barre encore, mais vous êtes sérieux là? Mais y'a pas besoin là. Là tout va bien. Bah si, pour rester sous le vent. Il glissait sous la la. Oh oh. Je connais Kraken. La musique. Kraken. Ouais, on ouais, moi je pêche. On s'enfuit pas, hein. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bah Nel, non, 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 tu viens là-bas, hein. Viens là, t'as dit que tu l'avais pas vu encore. Allez, hop, hop, hop. Ok, ok, j'y vais. Je sais pas si tu en cale une fois que j'ai pêché, hein. Tu tires des boulets de canon de base sur la base des tentacules. Il en faut 3 ou 4, tu la tues. Et on s'enfuit pas, hein. On met l'ancre s'il faut, hein. Bah vas-y, hein, mets l'ancre, hein. Je suis en cale, hein. Mettez pas l'ancre. Moi aussi. Mettez pas l'ancre. Faites pas ça. Moi aussi, je suis en cale. Il y a 1000 ans avec. Hop, la position. Reste en cale. Ah, je me suis fait aspirer. Ta mère. Quelqu'un peut me sortir de là, s'il vous plaît? Hey. Au secours. Je vais attraper, je me fais sucer. Tu te fais sucer? Ça va, oui. C'est pas. Ah, c'est bon, attendez, je peux la taper. Hein? Merci. Ah non, ça va toujours pas. Plongé, au secours. Bah, je fais ce que je peux. Là. Merci, j'ai été relâché. Mais pourquoi je prends des dégâts? Parce que tu fais l'eau est empoisonnée, vous traitez comme tel. Ah. Alors remontez les voiles. On le tue et on prend tout le loot. Ah, super, alors merci. Il y a des trous dans ton bateau. Merci le poulpe de taper l'échelle quand je suis dessus. Alors dis, il y a moins de trous dans ton bateau. Pourquoi Nel est... Pourquoi j'entends pas tirer Nel? Je remontais les voiles parce qu'il y a personne qui le fait. Si, si, je suis en train de le faire, je viens de remonter sur le bateau. Mmh. Nel, j'entends pas chanter les canons. Ah bon? Ah, j'ai crash, je crois. Oula, non, je vais plier. On une autre, bien joué. On a pété une, je vais récupérer son loot à plus tard. Vas-y, vas-y. Oh, en plus, je crois qu'il y a un rubis. Ouais, elles aspirent les salopes. Ah bah, super. C'est de la merde, les crânes. J'ai vu par là, je crois, un rubis. Il y avait un rubis par là. Bon, moi je reviens, attends, je vais aller grail. Envoyez-moi un message moi, quand il y a un joueur. Un ave. Merci, à tout. Ah, c'était pas en rubis. Ouais, là tu l'as pas. Ah, je me fais encore aspirer. Ah, y'a du monde à la répa ou pas? Non, non. Y'a personne. Je suis plus à bord moi. Je suis fait couper. Oh, les trous! A l'aide! A l'aide, on coule! Merci! Moi je bouge, il faut y en a qui est copain. Attendez, je me fais couler là, 2 secondes, j'arrive, j'en ai pour 5 minutes hein. C'est où ça? Liberté! Et beurre de carité. Il faut qu'il y en ait un qui aille boucher pendant qu'il y en ait au moins un ou deux qui vident là, parce que ça arrête pas de se remplir. Ouais, quand je serai lâché, ouais. Merci! Ouais, le bateau il est vachement bas sur la ligne de flottaison. Bardi, essaye de faire. Non, tu crois? Je suis pas sûr, hein.
Bardi, on coule plus vite qu'on enlève l'eau, ouais. Il y a quelqu'un qui répare en bas ? Non. Personne. Bah c'est non, c'est ce que... Bah, c'est ce que j'ai demandé, hein, mais Mais c'est toi le réparateur, là. Bah c'est moi le réparateur. Mais merde toi. Dites-le, s'il vous plaît, c'est lui qui était parti chercher les trésors, hein. Non, j'ai plus de voix. Il reste un trou, j'ai plus de voix. Deux secondes. Je mange. Il me reste des bouts de canon ? Ouais, il me reste 7. Bon alors, toi. Ça va aspirer. Au revoir, à l'année prochaine. Oh le loot qu'il y a. Il y a quelqu'un en bas ou pas ? Non, non, toujours pas. Mais putain, si, y a Knarfon. Ouais, non ? Mais non, mais c'est bah non, moi je me fais. Tu répares. Pardi, tu répares. Non, je... Ok, bah moi je viens de me faire aspirer. Ouais, c'est où est-ce que t'es ? Là, je sais. J'arrive. À droite. J'arrive, j'arrive. Alors, c'est pas celui-là que je joue de canon ? Ok. Mais. Quand tu veux le jeu que je ramasse hein. Ce point-là. Ok, bon, laisse tomber, le jeu a décidé que je n'avais pas le droit de toucher. Bon courage, Parzi. J'arrive, je suis au passeur. Kraken blessé. Bien joué. Ouais, ouais, il est parti. Non. Non, il reste une tentacule derrière. Elle est derrière, tire dessus hein. Les balles font autant de dégâts que les boulets. Bah c'est ce que je fais, t'inquiète pas. Non non mais c'est... T'inquiète pas, t'inquiète pas. Ah bah c'est bon. Je crois qu'on est sorti sa range ou alors il est mort. Non non, il est mort. Je l'ai eu. Il est vaincu. C'est good. Dans ce cas-là, où est le loot ? Le loot tout autour de nous ? Il y en a derrière. Ouais, a normalement, derrière. Tu as des petites mouettes qui apparaissent au-dessus du loot. Il est un peu partout. Ouais. Bon, je pense que j'ai compris. La prochaine fois, je resterai en bas parce qu'il n'y a jamais personne quand c'est. Mais il y a Pardi aussi. Il dit ouais, bah je veux l'arrêt pas au début. Puis en fait, non, il se barre tout le temps. Après, il dit ouais, je suis en train de me faire aspirer. Vraiment, c'est putain, c'est ce la fiabilité dit, hein, d'un nul, moi je suis en haut, toi t'es en bas. Bah hein. Je sais, mais à un moment il y avait plus personne en bas, j'ai demandé un coup de main, il y a personne qui ne est venu. Ne sortez pas cette phrase de son contexte, merci. Narfang est en train de me libérer de moi qui me faisais aspirer. T'inquiète, c'est la communication d'équipe efficace. On est en France ici. Là. C'est une spécialité. Attends, derrière, France, derrière moi sur la droite, il y en a encore un. Derrière toi, ouais. À l'avant, la droite, il y en a des monstres. Donc, attendez, je vais les actualiser. Ah oui, il y a Alien Shooté qui est parti. Si, il y a aussi un loot beaucoup plus loin là. Je vois des mouettes là. À l'avant, ouais. Tac, tu vois. Non, regarde sur le côté, je suis parti. Tu vois où je suis ah parti. Ah ouais, à gauche là-bas, les mouettes là-bas là. Ouais, j'y vais. Ouais, il y a des mouettes aussi. 400 requins dans le fion. Ouais, j'ai vu, mais je crois qu'il y en a. Je crois qu'il y a deux loots ici. Bah attends, j'ai un TV. Attends, je te dis hein, ce que j'ai. J'ai un morceau de Kraken et j'ai du Terra. C'est bon. Prends la sirène par-ci derrière, ça ira plus vite que de faire une tour. Non bah non, trop tard, j'ai fait demi-tour, j'étais à moitié. Oh pétard, en plus c'est une caisse d'épices. Même pas moyen que je l'abandonne. Hein. Bah écoute, moi j'ai croisé aucun requin pour l'instant. Il n'y a pas de requin avec le... Si si. Si si. Si si. Si si. Si si. Si si. 4. Ils traînent à 4. Ils quatre sont par 4 par 4 en plus. T'en butes un, il y en a un autre qui revient. Tout de suite. Et tu le rebutes, il y en a deux autres qui reviennent là d'un coup. Je reviens mais pas vite hein. Ok. C'est bon pour vous ? Oui. Et sinon merde. Totona. Ouais. Mais toi Je suis là, vas-y, à trois. Aïe ! Fils de flûte. Oh fils de flûte. Comme Bakir. C'est bon. Eh, t'as harponné le requin, c'est pas moi, hein. Attends, il est où le morceau de requin ? Raté. Tu mourras jamais.
Ah le bâtard il est là-bas. Ah ouais, pendant qu'ils font mumuse, moi je répare la coque. Ah il y a une sirène par contre. Ouais, et moi je viens de ramener la caisse d'épices. Voilà. C'est vraiment, hein, c'est les bateaux à la Knarfang, il y en a vraiment deux qui bossent et deux qui glandent à tour de rôle. C'est vraiment une tradition, c'est incroyable, hein. Eh hey, frérot. Et sans se consulter, hein. Je te mets du requin à cuire, allez. Allez, vas-y, régale. Vas-y, régale un peu. Attends, tu l'avais ramassé, par contre, ton on a 5 morceaux de Kraken, bah oui. Hein. J'espère que vous avez prévenir, Kraken, je suis en train de le chercher. J'espère que vous avez déposé toute votre viandasse de Krakenasse dans mon tonal, hein. Non, j'ai pas fini, non, regarde, il en reste encore. Allez, range dans le tonal. Je m'en occuperai. Ouais, attends, par contre, je vais juste me permettre de manger de la banane. Parce bien que sûr, pas dans le bon tonneau, Antonin, espèce de con. Eh, c'est la viande crue, c'est à gauche, hein. Non, c'est à droite. Non, c'est à droite. toute la pêche, c'est à droite, tout ce qui est fruit, c'est à gauche. Voilà. On a changé, hein, depuis qu'on joue au jeu. Tous les verres, c'est à droite. 5, 10, 20 ans. Tous les fruits, c'est à gauche. Fake news. Si je te vois pas, c'est pas vrai. Si ça n'existe pas. Allez. En porno comme rangement, hey. Ça n'existe pas. Maintenant, petit mégalodon ou pas? Bah, il ne manque ça et les PK encore, ouais. Par contre, je suis un peu déçu, on s'est tapé en même temps. Ouais. Franchement, je suis déçu. Hein. Parle pas des PK, s'il te plaît. Les PK. Mais il y en a pas sur serveur, tranquille. Les PK. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas un bateau de joueur depuis le début, donc le serveur il est vide. Hein. Ouais, mais là c'est parce qu'il n'y a pas le clear qui joue, non, toutes ces conneries comme ça. Ils sont partis manger les enfants, tout ça, mais t'inquiète, ils vont revenir. Non, ils 21h. Ouais, non, 21h, les Allemands ils ont pas encore mangé, ils sont encore en train de manger, non? Non, ils ont foutu demain à 9h, ils peuvent plus jouer aux jeux vidéo, les enfants. Rigole pas, je suis oh sûr là que ça. Jolie flamme blanche, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh la jolie femme blanche, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah si, j'ai croisé deux joueurs quand j'étais mort. J'ai croisé un mec qui s'appelait ouais, le légendaire, le je sais pas quoi là. Dégueulasse. J'en ai croisé un aussi. Ah toi aussi t'as croisé un picard dégueulasse. Ouais, d'accord. Ouais. Et dit-il alors qu'il veut me pécho, ouais. Ah, il refuse toujours mes avances. Ville coquin. Moi je veux pécho, là. Menteuse. Ah bon? Je pêche le parfum, tu lui offres les DLC de SnowRunner. Direct, tu te manges la main. Oh là là. Besoin, il m'appelle déjà son petit cœur. J'ai déjà tout gagné. Ouh! Il a déjà tout gagné. Ah, moi, désolé, je suis occupé. Hein. Ah ouais, j'ai bien compris, il y en a qu'un qui tape sur ce bateau. Hein. Je m'entraîne mentalement. Et d'habitude, c'est moi qui suis à la barre, c'est moi qui fais tout. D'habitude, c'est que moi, hein. Hein, que c'est que Bibi qui fait tout. Hein. Et que si. De feu. Ouais, on va dedans. Hein. Ouais, bah cool. T'as vraiment lâché ton meilleur coup. Hein. Oh putain, les gars, trop cool. Tornade de feu. Là. Attends, mais c'est genre une tornade? Ouais. Bah ouais. Genre ça marche? Je sais pas. Vous savez quoi, on va essayer. Oh là. C'est une île avec un boss. Pourquoi est-ce qu'il commence à faire tout gris? Parce que ça sent la tempête à plein nez. Eh, petit kraken là. Ouais, pourquoi pas, hein. Il nous reste encore quelques boulets de canon. Ah, par contre, la prochaine île, va falloir la dépouiller en boulets. Hein. Ouais. Là j'ai un petit regret quand même de pas avoir embarqué la petite chaloupe. Bah, avec ses 50 boulets. J'étais avec toi, j'en ai embarqué, bah j'ai embarqué ce que je pouvais quoi, 10. Ouais bah c'est ça, hein. Et après c'est cuit quoi. On a encore le chapitre 3 à faire, il me semble, non? Sur ce bateau. Là. Ouais, tiens, on va prendre un chat. Allez. Assis-toi là, le chat là, et ferme ta gueule. Fais comme tous les chats. Soit appelle le victime. Et puis c'est tout. Ah, le con. T'es qu'une merde. Ouais, si tu veux y aller, faut que tu passes par la droite. Hein. Dis-lui, apprends-le. Comment ça, faut que je passe par la droite si je veux y aller? Tu ne sais rien. Là, tu fonces dans une île. Ouais, donc, du coup, sais, faut que tu. À gauche, je vais passer à droite de l'île en fait. Ouais, c'est ça, tu fais droite-gauche. Ok. Ouais. Franchement, tu sers vraiment qu'à être esthétique et envahir l'espace. En fait, t'es une femme. J'ai l'air que tu parles ou. Ouais, c'est à toi. Ok, non, c'est bon, ça va. On va vérifier. On check. Tardy? Oui. Tu
penses, oui. Tu penses pas de ça? Non. 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 C'est pas moi. Par contre, faudrait peut-être remonter les voiles, hein, si tu veux qu'on s'arrête dedans. Ah quoi que non, ça va, on est loin en vrai. Là, il veut pas s'arrêter devant, il veut s'arrêter dedans. Tout va bien. Arrêtez de sortir les phrases de leur contexte, vraiment. Insupportable. Mais attends, la tornade, elle est où? Elle est sur l'île? Oui, elle est sur l'île. Oui, oui, elle est sur l'île. C'est un boss à 20 qui est sur l'île. Attends, mais c'est quelle île là sur laquelle on arrive? Bah, l'île là où il y a la tornade. La Wanderer Refuge? Ragamuffin Fauve. Ragamuffin! J'aurais dû l'appeler Ragaruffin. Certifié. Je t'ai laissé un petit chat. Bon, du coup, on fait quoi? On va se le faire le boss ou bien? Bah, go! Va falloir. On est là pour ça, je crois, non? Non, enfin, nous, on va être là pour ça, bon, moi je suis du tracker. Hein. Bon, c'est. Eh, hey, c'est sur le chemin! Oui, non, mais je veux dire. Théoriquement, non, on n'est pas là pour ça, quoi. Allez, on y va! Comment est-ce qu'on est? Ouais, je pense qu'on peut commencer à monter les voiles. Non, 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 on va faire mieux que ça, frérot. Attends que je mette ma barre droite. Vas-y, allez, la barre droite. La barre est droite. La barre est droite, monseigneur. Je répète. Tu restes à bord, Knafang? C'est ça l'histoire? Bah moi je suis mule de Kraken, hein. Moi que vous ayez vraiment besoin de moi. Eh hey, c'est non, beau, ouais. Je vais vider mes poches. Pourquoi il y a une grosse musique qui se lance? Parce que l'Empire contre-attaque. Est-ce qu'elle bosse? Attendez, j'arrive! Tu veux jouer à lancer? À l'abordage! Oh merde! Attends, tu lui lances des trucs de feu alors que le mec c'est littéralement du feu. Attendez, attendez, j'ai une idée, j'ai une idée. Allah Wakba. Pardon. Wow. J'ai explosé. Ouais bah oui, c'est bien. Ah. Il vous a tenté là un peu hein. Ouais. Attends, j'ai le droit à une lanterne spéciale? J'ai raté des choses extrêmement non, pas intéressantes du tout. Let's go, cuir de T'as un canon qui t'emmène directement sur le boss, Knarfang. Oh, carrément. Je suis sûr que YouTube, ouais, ça les intéresserait. Étant donné que dans les commentaires, ils me disent pas qu'ils veulent des vidéos intéressantes, j'estime que des vidéos très chiantes de moi qui cuit du Kraken, c'est formidable. Bien évidemment. Y'a pas de meilleur contenu, je pense. Aujourd'hui, dans le monde du gaming en France, y'a pas mieux. Rien que Narfang, je dépose une lumière verte. Merde. Ah oui, vas-y, pose une lumière verte quelque part. Hein, c'est peut-être pas le temps, hein. J'ai essayé. Ouais, bon, je t'ai dit. Je reviens. Moi aussi, j'ai essayé de pêcher au nel, ça. De retour pour vous jouer, pas de mauvais tour. Parce que ouais, je sais pas jouer. Pourquoi il y a un squelette qui est à l'envers? Parce que je l'ai retourné. Ah, excellent. Ouais. J'aime le gaming, lol. Lol. Pourquoi il y a des trucs qui explosent? Ah par contre, pour pêcher tant que j'y suis. Des météorites. Parce que vraiment, je vois ce niveau d'arnaque là. Je vois rien, il fait tout noir. Allumez la lumière. Il fait tout. Il va faire tout noir. Ta gueule. Je sais plus s'il faut un appât pour choper des trucs de pierre. Mais il est en train de pêcher pendant que nous on tape le boss. Oui, c'est que Narfang. Oui, oui. Je t'attendais à quoi? Non mais ok, c'est pour savoir. Vérification. Bah, c'est ce qui se passe, hein. C'est ce qu'on m'a demandé, non? Vous m'avez demandé de faire, non? Wouah, pas vraiment, mais bon. D'ailleurs, par-y, y'a un mec avec un tronc long. Wouh! Merci! Aïe! Bah, il m'a exécuté le mec avec le tronc long. Putain, t'es vraiment nul, hein. Le mec me revive devant un mec avec un tronc long. Le gars avec le tronc long me vise, moi, tire au moment où je me relève. Putain,
connard. Merci. Ah, ça a quand même marché. Nice. Bon, moi il me faut de la vie là, absolument. Ah, il y a encore un mec avec un fusil à pompe. Ce que j'aime bien, c'est que c'est le seul truc qui me tue. Le boss me touche pas. Par contre, le mec avec le trombone me one shot à chaque fois. Ouais, non, mais le mec avec le trombone me casse les couilles. Ah! Vas-y, j'offre mon arme au passeur, ça ira plus vite. Parzy, il est parti en va rouler. Il est parti en croisade. Je suis parti chercher des vivres parce que j'ai la dalle. Ouais, bah. On est mort. J'avoue, c'est ça qu'il faudrait comme modèle de galion. Le modèle d'une caravelle. Oh, il y a The Soldier. Bonjour. Bonjour. Du coup, même là, maintenant, fait des. Lance un dégât naturellement. Dans combien de minutes je meurs? Hola, ma friend. Dans combien de minutes je meurs? Maintenant. 14, donc dans 14 minutes, je meurs à nouveau. Ok, c'est noté. Note bien. Ok, de 14 minutes, ok. Le mec est précis dans son taf. Hein. Ok, pas de soucis. Bon, j'arrive, vous avez un canon, c'est ça? Il y a un mec, c'est un squelette à côté de moi, c'est bon. Ah, c'est moi. Joy, il arrive. Normalement, tu tombes droit sur le boss, hein. T'es pas à dropper, ouais. Hein. Est-ce qu'on est vraiment tous en train de le fracasser? Ou close. Ah, il est mort? Non? Bah, pour moi, non. Moi, il est encore des pubs box. Il a encore des PV. Il doit être en. Ah, il a un lance-flamme. Ah, je suis pire. Ça brûle! Oui, fait ça fait mal! Oh non, je suis. Oh non! Ah, mais non! Rectification, c'est pas 14 minutes, c'est 14 secondes. Oh non, mais t'es chiant, hein. J'avais noté à 33. Ouais, j'ai une flamme rouge. Ah bon. Bah tu la ramènes sur le navire, s'il te plaît. On n'a pas de rouge sur le navire. Ramène un peu de rouge. Non, on a du vert par contre, parce que je suis mort du feu. Il va vraiment nous montrer que la rose en fait, hein. C'est vraiment ça en fait. Ouais. Ah si, on n'a pas la violette du kraken. Faut qu'on aille se embrouiller un kraken. Oh non, en plus je me fais cobra ladé. Oh non. Cobra ladé. Tu viens avec la fond. Ouais, mais. Ouais, je me suis pris un petit coup de cobra quoi. Je suis pas encore ouvert pour moi. Ah, Parzy, il avait le droit de passer, mais c'est de la triche. Bah il est mort avant toi, parce que moi je t'ai revive, je t'ai retenu sur la rive. Par contre c'est vraiment le canon du paradrop hein. Tu le prends, tu tombes dessus. Ah mais ta vie aussi elle reprend un coup hein. Ah, on a gagné comme des chefs hein. Et toi à manger là. Après tu me diras s'il vient vers le bateau, on peut le fracasser au canon du bateau. Ouais, hein. C'est pour ça que je suis en train de le ramener. Eh attendez, sinon pourquoi est-ce qu'on essaye pas de l'arroser avec un seau d'eau? Ah ouais, j'avoue. C'est un mec du feu. Viens prendre ton seau d'eau, bâtard. J'avoue. Vas-y, attends, j'ai un seau d'eau. Ce mec est intelligent. Attends, pour une fois, j'utilise plus de 3 points de QI donc. Et demi. Ça marche pas. Il a lancé une météorite. C'était peut-être une vaine tentative, mais elle était stylée. Je suis pas sûr que ce soit bien que lui. Est-ce qu'il a vraiment lâché un c'est mieux quand tu l'as arrosé? Je pense, hein. Bon, moi je vais sur le canon et je vais le fracasser. Hein. Est-ce qu'en fait il est en train de kiffer parce que tu l'as arrosé? Moi j'avais chaud là. Oh, vous savez, ça fait du bien. Hein. Oh putain, ouais, qu'est-ce qu'on est voyant. En fait, c'est juste un squelette rouquin qui crame au soleil. Il est juste chaud, c'est tout. Il a pris un coup de chaud. Ah. Non, non, prends pas le canon, il est sur la plage avec Knarfang. Ah, c'est vraiment pour moi ça? Vous pouvez tuer le squelette qui a un trombon s'il vous plaît avant qu'il me tue? Alors, j'aimerais. Bon, moi du coup, je vais me balader sur la plage en attendant. Non, moi si vous pouviez me le ramener juste un tout petit peu plus sur la gauche. Sur la gauche, pas tout de suite. Genre, bah par là quoi. Hey voilà, par là. Viens, renard. Eh bah, tant mieux. Je l'ai capturé. Let's go. Ah, mais c'est un chat. Ouais, c'est mon chat. Attendez, je vais offrir le chat en offrande au seigneur squelette. Monsieur le seigneur squelette, est-ce que vous voulez un chat? Ah, il m'a claqué. Non, il veut pas de J'ai vu la meuf. J'ai
La tatane qui t'a mis. Reviens Jack, retour au combat. Ah, ah je suis mort. J'ai pas eu le temps de me relever que je suis mort. Plus haut, plus bas. Ah bah plus haut là. Oh plus haut garçon. Ah il m'a mis une patate au four hein, le bâtard. Il est mort. Moi faut me dire. Parce que je vois pas forcément. Là il est trop loin, je peux pas. Là pareil, vous êtes trop loin, je peux pas le toucher de là. Je vais te le ramener, bouge pas. C'est un squelette malin, il se cache derrière des bâtisses. Allez viens mon cochon. Oh là, j'arrive tout de suite. Y'en a. On est pas censé pouvoir attraper un serpent. Y'en a. Aussi. Aïe. Salut Knarpang, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Au revoir. Je crois que j'ai gagné une petite flamme rouge, quoi, non? Ouais, c'est ça, une petite rouge. Je le rapproche même de la page, tiens. Ah, on coule. C'est possible, ça? Il y a de l'eau en bas, on se barre. Attendez, j'ai un tonneau explosif. Venez, je vais me suicider encore sur lui avec. Tiens, vas-y. Là, tu dois pouvoir. Clairement, hein. Nina, Nina, Nsala. Oh, ouais, il nous touche avec le bateau. Là, ouais, eux, les sbires, je les ai. Mais on s'en fout d'eux. Ils se tuent en... Lui, je peux pas encore. Faut qu'il se rapproche. Pourquoi moi? C'est moi qui ai le tonneau explosif. Oh, oh. Ah. Hé, hey, cadeau. Est-ce qu'on peut dire que j'ai allumé la flamme entre nous? Il est en train de se barrer, bête. Oh. Ah, il est mort, je crois. Ah, non. Non. Vraiment pas. Oh. Moi je vois plus rien là. Eh merde, je suis tombé. Il va me tataner ce bâtard. Bah non, ouais. Il m'a lancé une grenade de feu. La fin que tu répares le bateau ou pas? Ouais, c'est fait. Attends, vous êtes vraiment pris une météorite de feu sur le coin du nez? Ouais, j'avais un peu d'incendie dans. Attends, faites gaffe, il y a le lance-flamme qui est un peu dirigé vers vous, hein. Faut attention. Il lance du feu. Peut-être qu'il aime pas le feu. Allez, encore un peu sur la gauche. Totona. Et... Ouais, attends. Regarde, attends, tiens. Prends de l'eau. Ah oui. Attends, je vais. Son attaque de mort là, mal. Ouais, encore. Ah, je me suis vraiment pris la météorite. Je suis retourné là où elle est tombée. Merci. Non, je vois pas de positif en fait. J'annule. J'ai réexplosé. Moi je propose qu'on décrète une loi sur laquelle il n'y a pas le droit de me copier un truc qui explose, qui brûle ou qui fait des dégâts. Mais il a combien de PV lui? Beaucoup. 12. Ne vous approchez pas de moi. Oh! Vas-y, tatane-moi, fais-moi du mal, vas-y! Vas-y! Okay. Alors hop, Alt Z, enregistrer les scénarios du petit. Oh non! Ah là, il faut faire des sous-bords là! Oh, de toute façon, au cas où vous l'auriez oublié, YouTube profite de toutes vos bêtises. Hein. C'est moi ou il a encore lancé une météorite sur le bateau? Ah non, vous faites chier là, j'en ai marre d'éteindre des incendies. Hein. Bon, ça a l'air d'aller. Incendie, très bon livre d'ailleurs. Ah! Ouais. Ah, elle est sur le bateau celle-là. Hein. J'arrive. Mais si c'est bien parti, hein, continue comme ça. Hein. Bah ouais, hein, moi je suis là pour faire des dégâts. Hein. Hey. Oh putain, hey, y a beaucoup d'eau dans la canne là. Bah. Mais y a un... Ah, je crois qu'il m'a vu. Ah, il vous lance un boulet. Ah non, il s'est lancé un boulet tout seul. Moi, il me voit pas, hein, c'est génial. Ah, il y a un gros trou dans la cale, hein. Bah oui, c'est pour ça que je viens de réapparaître. J'ai ah, merci. Parce que jusqu'ici, il faisait des dégâts qu'au-dessus. Ouais, c'est parti, tu peux le faire. Hein. Oui, moi, il m'a pas encore vu, hein. Ah, mais casse les couilles, il est tout seul à tirer, là, en fait. Bah oui, mais si tu veux, il y a un petit peu l'océan dans la cale. Ah, il vous lance un boulet.
mais en fait je crois que c'est moi qui l'attaque, mais qu'il y arrive pas. Ah, t'as remis l'eau dedans, Mel. Non, c'est bon. Oh, t'as pas filé un engin pour viser, c'est si long. Ouais, joli. Ouais. Ah, c'est grâce à moi en plus, hein. Franchement, qu'est-ce que vous auriez fait? Par contre... Ah oh, ah d'accord. Wow. Oh waouh. What the fuck. Oh mon dieu. Rapprochez le bateau. Pitié. Ah. Ah. Par contre, je tiens à rappeler que j'ai une cage à j'ai une cage à serpents si jamais, hein, parce que c'est vachement mais intéressant. Mais c'est quoi lui le petit capitaine? Les gars, il y a un autre poste qui a spawné. Eh sinon au pire on met tout d'un côté, on grabe tout hein. Bah ouais, c'est pour ça. Ouais ouais, hein, rapprochez tout ça. Par contre, ouais, sauf qu'on a on a pas un sloop, on a un truc plus gros. Par contre, je suis pas sûr que ça ce soit une bonne idée de le mettre dans le bateau. Bah pourquoi? Tu vois pas ce que je vois là? Non. Moi, je crois que ça va exploser là à côté de moi. Dans ces cas-là, faut qu'on mette de l'eau dans la cale. Je suis pas sûr, mais je crois que j'ai explosé. Ouah, wow, c'est quoi comme coffre ça? Bah, c'est si, le coffre de la rage. En fait, c'est l'inverse du coffre de la flotte. Oui, bah tu le noies. Tu le noies dans l'eau et on n'en parle plus. On met de l'eau dans la cale et ça, sera, ouais, ça ira très bien. Par contre, s'il y a un serpent sur la plage, si vous voulez le ramasser. Ouais, c'est Cobra Ladé, c'est celui-là. Ouais, j'ai. Il y a une cage à serpent sur le. Ah, sur y a le des pont. Méchants squelettes qui viennent pour nous attaquer. Ouais, des squelettes, c'est des fantômes. Vous avez ouvert le coffre sangré? Oh! Il y a même eux maintenant? Ils sortent en random? Putain! Les mecs, ouais, ils ont, YouTube, ce qu'ils font, c'est extrêmement quête. Intéressant. C'est dommage, tu verras rien. Vraiment. C'est rigolo le coffre, je pouvais pas le prendre parce qu'il était ouvert. C'est rigolo, ouais, lol. Ranger ça dans les coffres, tant qu'à faire. Attends, il reste des trucs là-bas qui brillent. Il y a encore des trucs qui brillent, hein. Ah mais s'il est sous l'eau, c'est un petit coffre le interne. Truc de la rage, si on met un peu d'eau dans la... Dans le... Oui, non, mais c'est ce qu'on oui, va faire. C'est ça, on va le noyer. Propager, mais ouais. Ouais, j'ai fait ça à ton avis. Okay, okay. Il reste sans rien d'autre. Connard. Ah, désolé, mais ah. Ça bouge un peu. J'essaie de viser ce que je peux, mais je suis nul pour la vie. Tiens, fais ça, Nel, tu vises mieux. Ok. Non, heureusement qu'on t'a filé un engin pour viser, hein. Ah, tu parles qu'elle vise mieux, ouais, mon cul, ouais. Bah, yes. On récupère ça. Ouais, ce serait intéressant okay, de... Ce serait cool que j'ai pas à tourner tout le temps. Wow. Ah mais allez-y, hein, moi je s'occupe pas de moi. Hein. Aïe. Si, en fait, il s'occupe de moi maintenant. Est-ce qu'il faut que je vienne avec une cage à serpents? Oui, ouais, hein, je crois parce qu'il y a un serpent sur la plage. Sophie l'a été fait. Ah, il y a même encore un truc sous l'eau, hein, je crois. Hein. Ah ouais, gauche. Les trucs qu'on se trouve ouais, sous l'eau. À ma gauche, donc à votre droite. Non, non, à droite, là, sur le bord de plage, je pense que tu dois le voir. C'est... Ça fait probablement partie du déco room ou un truc comme ça, mais... Ouais, sérieusement, là? Ah, c'est un rubis de sirène qui a été drop. Non, pas celui-là, je parle. Je parle de là. Bah, tu vas être obligé de devoir remettre tout ça dans le... Ah. C'est quoi? Ah non, c'est bon, il y en a un là. Celui-là, tu me le prends pas, s'il te plaît. Eh, attendez, il nous manquait la flamme violette. Non. Grâce à ce serpent, nous avons la flamme violette. Vous noterez qu'on a une épave à droite derrière. Ouais, mais si c'est derrière, c'est pas la peine, on va faire la mission. Non, mais on y est pas tout de suite. Enfin, quand je dis derrière, c'est on voit là, quand tu vas vers le bateau, on voit qu'il y a une épave au loin. Ah, ok. Voilà. Mais, non, mais attends, sinon, on le prend dans nos mains et tu le ramènes, hein. Merde! Merde! Vas-y, tire-moi dessus, tu peux le faire. Un con! J'ai ramené le mauvais coffre. Elle a ramené le coffre de la rage. Ouais, il est bah, mais dans la cale. Mais il est dans la flotte en fait, j'ai double clic. Dans la flotte, où ça? Il est juste devant le bateau. Je l'ai, ah je l'ai, mais je non l'ai. Mais putain. Ton serpent de mort là. De qui? Putain, je me suis ça encore fait cobra la comme ça.
Je me suis fait cobra l'année. Échec. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui traîne? Il y a ce coffre là. Ah, le coffre du somme est dans la cale. Vas-y. La vie de ma mère, je vais le noyer ton serpent. Mais il est bien mon serpent, laisse-le tranquille, il est tranquille, il est peinard. Hop, ça y est, je suis mort. Du coup, on aura la flamme violette. Et bah tant mieux pour toi. je vais la poursuivre avec le serpent maintenant. Plus buter ton serpent de mort. Oula. Pas sûr, mais un petit coup. Oui, bon, ok. En même temps, avec Knarf, ça aurait pris peut-être un petit peu plus de temps. C'est pas dit, mais... Si. Non, c'est pas dit. Il lui a fait un coup de main, vous avez regroupé des... Oh trucs. Putain, il y a un coffre, il est percé, les gars. Ah ouais? Bah ouais, je mets des trucs dedans, pourtant je les pose très bien dedans. Et lui, il me dit non. Ah, tu n'as pas le droit de les mettre dedans. Ah, je crois que je suis bugué de l'infini, là. Ah? Bah ouais, je suis dans la phase de chargement de l'enfer. Raté. Merci. En prie. Ouais, il y a des trucs qui sont buggés. Ouais, mais c'est pas grave, on les déposera la main. Ah, le serpent de merde! J'ai eu la même. Ils vont peut-être éviter de le faire celui-là. Oh là, tu connais pas les devs, hein. Je crois qu'ils seraient capables. Hein. Mais pourquoi tu les alignes? Quoi? Pourquoi tu les alignes? Aligne quoi? Rien. Donc là, on doit aller où? Là, on doit remonter encore un peu plus loin par là. Eh, regarde, il est pas beau là où il est le serpent? Pourquoi est-ce que tu l'as mis? Viens voir. Je l'ai rangé. Ah oui, effectivement, il est bien rangé. Bah au moins là, il nous fera pas chier.
Inch'Allah. Inch'Allah. Narfang ? Ah, je crois que Narfang il a crash pour le coup. Ouais. Il faut que tu remontes un peu plus nord-est. Nord-ouest, pardon. Ah, deux secondes, je change. Non, mais je regardais juste sur la carte. Mais voilà. Ouais. Nord-est, tu m'as dit. Nord-ouest. Ah. Il y a vraiment un putain de mégalodon qui spawn. Bon, oh, ça va, c'est un mégalodon. Oh, il y a des loots à gauche là. On s'en fout. Osef. Narfan qui ne nous entend pas, on s'en fout. On dira qu'on l'a ramassé, ok? Ouais. Par contre, il y a vraiment un mégalodon qui spawn là. Mais on s'en fout, on trace une fois qu'on est plus dans sa range, je sais pas. Bah écoute, moi je le vois pas pour l'instant. Eh, si on le voit, si on le voit pas, il existe pas. Voilà. Ah, mais y a pas la musique pour rien. Non, si on le voit pas, il existe pas. Attends, par contre, j'entends le coffre qui est en train de s'exister en bas. Ouais, je l'entends aussi. Ah, mais ça met des dégâts, ce bâtard. Vas-y, descends dans l'eau là en bas. Oui, ça fait chauffer l'eau. Bon, il va réexploser, donc attends, je vais juste aller manger un peu. Et monter les voiles aussi, s'il vous plaît. Monter tes voiles, pourquoi? Bah parce qu'on arrive dans le brouillard et l'île, elle est juste à droite. Non, c'est pas cette île là, on va derrière. C'est une autre île encore derrière. Ok. Regarde, on va pas sur l'avant-poste, on va là. Oui, on va sur cette petite île là, mais moi ouais, je voulais voir sur le... Elle est plus en haut, elle est plus... Ah ouais, donc là, faut que je remonte au nord. Ouais, nord-ouest, c'est ce que je t'ai dit. Ça va, Yenshota, tu t'amuses à arroser oui. Tout ça? Oui. Mais laisse-le exploser, on verra si ça marche. Hein. Ah, ça devrait plus tarder. Ah, t'as les rats qui sortent de la cale. Aïe, pourquoi je prends des dégâts alors que je suis dans l'escalier? En vrai, c'est presque le coffre à laisser avec un trou dans la coque. Hein. Je crois qu'on va retourner un peu. Ouais, c'est ça, on tourne complètement là. Ouais, je sais. Non, là on va taper dans l'avant-poste. Bah. C'est pas là qu'on va. Non, mais moi je veux contourner l'île. Oui, sauf que tu serais passé tout droit, ça serait passé. Là tu vas droit dessus. Mais non, je le tourne. Non, y a là, un là, bon là, là on est dessus là. Y'a un banc de sable. Ouais, là tu nous as mis sur l'île. Et là, je me demande comment est-ce qu'on va faire pour réparer. Bah, si tu regardes sur la carte, tu verras le trou que ça fait. Par contre, on a des trous là. Pourquoi on prend des trous? C'est maintenant qu'il revient. Par contre, en fait, on peut pas descendre. L'eau elle est un peu bouillante. À skip, ouais. Ça va. J'attends que le coffre soit enterré là et je referme. Mais bon, le coffre il a l'air calme. Ouais, il a pas explosé depuis tout à l'heure, par contre il fait s'évaporer l'eau de petit à petit. C'est pas lui qui a fait un trou dans la cale? Non. C'est le conducteur en fait. Il s'est dit que c'était une bonne idée de taper un virage à 90 degrés sur l'île. Quelle sombre merde. Genre, viens voir la carte. Non, mais je me doute, hein. Kéké Tuning quoi. Ouais, Kéké Tuning, on me dérange? Légèrement, mais bon, on a pas le choix. C'est le chat in-game qui miaule ou c'est mon chat? Oui, oui. Par contre. Non, c'est le chat in-game. J'ai la flamme violette. Alors, j'ai la violette en flamme. Ouais, on l'accroche quelque part. On s'est un peu débarrassé de ton cobra. Quoi? Débarrassé de mon snake? Ouais, on lui a fait un peu la fête. Des gens ignobles. Hein. Vous savez qu'il nous reste plus qu'à trouver un méchant PJ, ce qui est assez facile à faire. Et Nel, elle aura les 7 torches, elle aura les 7 flammes sur un navire. Voilà. Attends, on a toutes les lampes là? Bah bleu, et, violet, et blanche, si rouge, vert, on a tout. Si c'est l'un d'entre nous qui tue... Non, ça marche pas. Non, ça, bah nous on peut pas se tuer. Enfin, on peut pas se tuer, on peut se tuer en se brûlant. Non, on peut pas se tuer, ça compte pas. On peut te tuer que par les dégâts de feu ou de... Ah, peut-être que les dégâts de shrapnel ça compte, des grenades. Non, ça marche pas. Il faut absolument que ce soit un tiers de l'équipage qui te tue. En dégâts directs, sinon tu n'as rien. Vert, bleu, violet, rouge, blanc, qu'est-ce que j'ai pas compté? J'en ai que 5 là. Il y a moi la rose violette.
Bah la, la violette derrière moi. La violette bleue, la verte, la rouge. On a la blanche. La blanche. Ouais. Il nous en manque deux. Non. Ou il y en a une que j'ai pas compté. Est-ce qu'on pourrait remonter les voiles s'il vous plaît? Parce que je crois que c'est l'île qui est juste là à droite. Ouais, ou sinon il y a ou sinon il y a un truc à gauche aussi là vu qu'on est plus près de le truc à gauche. Il y a rien à gauche. Ah ouais, il y a des mouettes hein. Il y a une épave. Ah ouais. Ouais, on va faire la quête. Bah l'eau s'évapore pas hein, Coco. Non, ça s'en va pas. Je non, pensais. toujours même niveau. Qu'est-ce qui nous manque? Vas-y, remonte hein. Tu es sûr? C'est Nif ça? T'es sûr? Ouais. OK, bon bah, écoute, je te remballe tout. Sorti de son contexte, ça, monsieur. Ah ouais, sinon je t'emballe. Oh, celle de derrière, tu pouvais la laisser à moitié. Bah ouais, ouais, comme ça, parfait. On est loin de l'île encore là ou pas? Ah non, elle est juste là à gauche. Ouais, on est à gauche. Comment il y a un truc qui brille? Ouais, ouais, bah ouais, c'est pour ça. Pas besoin de l'encre, vas-y, tourne sur ta gauche, vas-y, et. Il n'y a plus de voile. Rapproche-nous, du bord. Non, bas bord, pour la gauche. Merci, Captain. Obvious. Oh, t'aurais presque pu harponner la poule! Oh, j'ai trouvé un nouveau serpent! Non, mais ton serpent, on ton serpent il est encore en vie, il est caché! Ils sont tous en train de péter un plomb! Ils vont tuer avec ce serpent! Je veux le rendre dans mes veines là! Y'a des noix de cajou là, enfin des noix de pétoncle là! Y'a des mobs! Oui, Knarfang! Eh bah gérez-les hein, parce que... Est-ce moi, que vous voulez qu'on enterre un coffre ou pas? Pour les autres joueurs? Non. Parce que tu gagnes plus de récompenses à enterrer un coffre qu'à le donner au marchand. Ah bon? Oui. Oui, c'est ça en fait. Parce que sinon je voyais pas l'utilité, mais expliqué ça tout à l'heure. Ah oui, donc vous l'avez mis du côté de la chaloupe où je suis bien sûr amarré. C'est ça le projet. Je vous rassure, il m'a pas niaqué hein. Je sais que vous êtes très très déçus, mais ce n'est pas arrivé. Oh, y'a un livre ici. Trouver des boulets de canon, parce que je viens de voir qu'on en a que 50 hein. Y'a pas une caisse à côté? Elle est vide. J'aime ce jeu, parfaitement équilibré, Valence. Ah, c'est pas méta. Où je peux courir sur les cailloux alors que je suis censé nager. Ah, vous avez trouvé le truc sur le... Je savais pas que c'était à elle qu'il fallait parler, je croyais qu'il fallait creuser. Ouais, moi aussi, mais non, en fait c'est où là se trouvait elle. Vous avez trouvé le mob? Attendez, faut que je vienne, hein. Je suis censé être concerné, YouTube, tout ça. Parce que là ils détestent la vidéo, hein, YouTube, bien sûr. Non. En plus ils ont failli se taper un crash et tout, de l'enfer. Ah! Ah! Il est où votre penge là? On est en D3. Ça me parle pas mec. Sommet... D3, élévation 42, point bis. Sors ta boussole, on est au nord de l'île. Putain, ils peuvent pas donner des vrais repères. Et naviguer vers les wilds, trouver voilà, la vous pouviez juste me dire que c'était belle et que c'était le PNJ de départ. Putain, mais vraiment bande de cloches. Hein. Au secours. Hein. Mais attendez, mais on vient de recommencer là. Ah bon? Bah ouais, mais on a suivi la quête, mais c'est peut-être autre chose hein. Pas sûr de cette histoire. Hein. C'est la même? Non, là on vient de reroll la quête. Clairement, donc, on a reroll la quête.
En fait, on avait fini au niveau du boss, quoi. Je crois, hein. Ouais, je pense qu'on se tire d'ici, en fait. Hein. Je pense qu'on va faire, on va reprendre des fables, on va faire des choses intéressantes, non? Ah ouais, les fables, vas-y, je suis chaud. Fable, le Jacques c'est par où, tout ça, tout ça. Enfin, le Jacques qui est par où, excusez-moi. Je vais te revendre et moi je vais arrêter là pour ce soir. Ouais, ouais, ça marche. Moi je propose qu'on garde le galion puisqu'il n'y a pas de joueur hostile dans le coin. Quoi qu'ils vont nous mettre en charge. Par contre, je sais pas si vous avez vu, mais vous avez des. Attends, mais par contre, c'est toujours pas validé, hein. Comment ça, c'est toujours pas validé? Là, on a toujours le. Attends, là c'est l'endroit où elle, elle est. Il y a toujours le coffre à trouver ici, hein. Ah. Trouver un coffre. J'ai toujours le, j'ai toujours la carte avec le coffre à trouver sur cette île-là. Hein. Ouais, ah, donc en fait, t'as relancé la quête en plus de. Ok, t'es en train de nous faire de la quêteception, c'est ça. Mais ouais. C'est la carte grise, non? Avec un truc en D2, c'est ça? Ouais. Non, mais... Okay. Y a que deux solutions à cette carte-là, donc ça va aller vite. Enfin, je devrais fermer ma gueule parce que je sens que ça va prendre 10 heures du coup, parce que je dis que ça va aller vite. Évidemment. Tac, 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 tac. Non, pas, je crois que t'es trop. Voilà, attends. Alors, pas le là, il y a le chemin qui va à la plage. Là, il y a le buisson qui est en vert. Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est le bon chemin? Non. Le gros racaillou, il est là. Eh, va grogner ailleurs, hein. C'est au niveau des petits cailloux. Là, c'est ici. Hop là. C'est à ce niveau-là, ça va être par ici, genre par là. Non, c'est pas par là, mais il y a un ver de terre. Je le récupère. Essayons de jouer intelligemment. Ah, j'ai, mince. Oh, je sais plus c'est quoi pour. On va le ressortir. Deux palmas. Parce que lui, il me dit c'est couvert de palmiers comme chemin. C'est étrange ça. Parce qu'il y a que celui-là qui est couvert de palmiers. Mais celui-là, il est très loin des cailloux. Mes mortels ennemis. Oh, il y a une super caisse ici. Avec du bois, tiens, je prends. Je te pose ça, je prends ça à la place. Comment aller branler leur carte? Parce que normalement, c'est ça, c'est chelou. Ou il y a encore un petit chemin par ici? Oui, il y a encore un petit chemin par là. Ok, donc ce serait plus celui-ci. Avec des palmiers à côté. Et genre ici. Je crois que j'ai trouvé un truc. Ouais. Ouais. C'est un crâne. À moi! Si tu veux. Mais je suis pas sûr que ce soit ça, hein, ton truc de quête, hein. La cachette, ah, Nathan, si. Mais si, la carte a disparu. Sur Wonder's Refuge. Mais d'accord, mais je veux dire, c'est des cachets gris, les gars. C'est des annotations grises, oui. Donc ça veut dire que c'est... Voilà. Ce ne sont que des merdes. Bah non. Ah bah non, ce ne sont pas que des merdes. Bah non, parce que là, faut qu'on aille sur Wonder's Refuge. Non. Non, faut qu'on aille sur Wonder's Refuge. Tu regardes. Non, ça par contre c'est une autre. Bah oui, bah on continue. Non, c'est pas la même quête, c'est un autre truc. Ça sert à rien à voir. Ça, je l'ai ramassé sur le boss qu'on a tué tout à l'heure. Bah pourquoi il y a le petit cachet, il y a le petit cachet à côté? Bah c'est la même, ouais, c'est une lettre grise à la con. Parce que, en fait, attendez, l'autre, on avait trouvé ça sur le boss de la zone. Tu sais, qu'on avait tué, là-bas. Mais c'est bon, ça lui fait un truc ou pas, là, parce que j'ai pas suivi, là. Là, normalement, oui, ça mais je crois que comme on a reset la quête, en reparlant à la meuf avant d'avoir trouvé le truc, je crois que ça a tout niqué. Tu veux pas aller vérifier sur internet, là, qu'on arrête de se prendre la tronche 5 minutes? Ouais. Mais je crois qu'on a, reset la quête, hein. Bon, moi, je t'ai retrouvé un coffre, je te ramène un coffre, tout ça, mais... Je crois que Nel est décédé.
Allo, Nel. Allo. Ouais, ça va. Bien, et toi? Oh, c'est la grouille de serpent ici. C'est un peu dur dans les vieux zoos ou quoi? C'est pas de vieux zoos comme ça. Cœur de la pêche. Bois de l'eau fraîche. Du sirop de pêche. Dans cette zone là, c'est quoi comme appart? En fait, sur l'île où on s'était battu avec les fantômes, on n'a pas ramassé la tablette rune, la tablette des runes. Comment ça s'appelle, une tablette? Si, ça s'appelle la tablette des runes, et du coup on peut pas compléter la quête. Voilà. Bah du coup elle y est toujours, donc demi-tour. Non, elle y est plus. Comment ça elle y est plus? Normalement les objets n'étaient pas dans ce jeu. On est parti de l'île depuis trop longtemps, les loot ne restent que 20 minutes à la surface. Donc on recommence à zéro. Ouais, donc on a gagné, voilà. Et tout ce qu'on gagne dans cette quête là, c'est un compas spécial et un titre, c'est tout. Bah let's go, on y retourne. On va vendre et moi je me casse. Bah du coup tu toucheras rien. Bah c'est bien dommage. Parce que nous on y retourne. Je préviens Nekshore. Bah ouais c'est bah ça. Bah ouais. Bah tu te casses sans le fric hein mec hein. T'abandonnes le travail en cours de projet, c'est dommage pour toi hein. Ok. Au revoir. Bah non mais viens, ramène pas. Bisous. A plus. Ciao. Ah c'est bien ça, je peux enfin m'asseoir à mon bureau. Ça c'est bien ça, c'est posé ça. Oh, je suis refait là. Meilleur jeu. Avec ma côte de porc cru. Bon, on va se la refaire YouTube, hein. On se retrouve plus tard, hein. Des bisous. Ah, des bisous.